Bonsoir à tous. Merci aux élus d'être là. Merci au public. Merci à ceux qui nous regardent aussi en visio, en direct ou en différé. Et merci bien sûr aux agents qui participent à la bonne tenue et à la bonne suite de ce conseil municipal. Je vais demander pour commencer, comme toujours, ou presque, à Léo de faire l'appel, s'il te plaît. Léo Beck. Il doit marcher là. Là, vous m'entendez ? Bon. Jérémy Aliaga. Marianne Beaumont. Léo Beck, présent. Thierry Beck. Sophie Boquet. Jérémy Bouladou. Dylan Coudert. Annie Crégut. Absente. Christophe Derouche. Serge Dessaigne. Nadège Ancelem. Arnaud Fleury. Jean-Michel Flores. Olivier Gache, Marielle Grolier, Cécile Guérin, Abdella Caraga, absent, Philippe Huguet, Virginie Martos Ferrara, Laetitia Médas, Mamed Médas, procuration à Laetitia Médas, Marie-Rose Navio, Véronique Négret, présente, Olivier Noguès, Marie-Alice Pelé, Corinne Poujol, Sonia Richoux, Pascal Rivalière, absente, Noël Segura, procuration à Olivier Noguès, Nicolas Sicadelmas, Thierry Tanguy, présent. Steve Vallier et Marie Zec. Merci. Merci. Alors, nous passons directement à l'approbation de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je le mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour cet ordre du jour ? Unanimité, parfait, merci. Ensuite, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal précédent, c'est-à-dire du 27 mars dernier. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Non ? Monsieur Derouche ? Allô, allô, ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, alors moi je suis contre parce qu'il y a juste mis l'échange qu'on a eu tous les deux qui est très important pour moi, qu'on n'était pas d'accord et je pense que les termes qu'on a employés tous les deux, tu verras sur le résumé. Ah ben je l'ai lu. Voilà, on n'est pas d'accord, oui, mais la terminologie qu'on avait employée pour moi est... Mais à propos de quel point Le point sur les intérêts, conflits, sur ce point-là, voilà. Donc, quand j'ai revisionné... Oui, je me souviens très bien de la discussion. Donc, on n'est pas d'accord. Évidemment, on n'est pas d'accord. Mais pour moi, j'aurais aimé qu'il y ait la retranscription exacte de nos échanges verbaux. Ben, voilà. J'ai trouvé que c'était fidèle. Que, comment ta parole comme la mienne était retranscrite correctement. Quand j'ai relu, ou alors j'ai mal relu, j'étais un peu fatigué. Voilà. C'est possible, voilà. D'accord. C'est tout. Hein. Mais de toute façon, s'il n'y a pas d'autres remarques, je mets au vote ce procès verbal. OK ? Donc, qui s'abstient ? Qui ? Arnaud Fleury, alors toi, tu ne prends pas part au vote, même. C'est pire que ça. Maria, Marie Navio et Laetitia, et moi aussi, puisque vous étiez absent, effectivement. Donc, je recommence. Qui s'abstient maintenant ? Et qui est contre ? Qui est pour ? Tout le reste. C'est bon ? Est-ce que tu veux qu'on reprenne les... ne prend pas part au vote ou ça va ? Ah, il y a Cécile aussi qui ne prend pas part au vote. C'est les gens qui étaient absents, en fait. Donc, on recoupera, c'est pas... on vérifiera. Les procurations, c'est toi qui as une procuration ? Ah si, alors tu prends part au vote, effectivement. Donc tu votes quoi ? Pour, très bien. Donc Marie, elle prend part au vote, puisqu'elle était représentée, bien sûr.
Et Cécile, t'étais représentée aussi? Non. Olivier, tu représentais Cécile au dernier... Non, on parle du conseil municipal du 27 mars. Voilà, dans son ensemble. Tu l'as représenté ou pas? Oui. Bon, attendez, on va tout reprendre, parce que là, je vais rappeler les règles. Donc, si vous étiez représenté, vous prenez part au vote. D'accord? Si vous étiez représenté, vous prenez part au vote. Et c'est tout ce que j'ai rajouté. Donc, on recommence. Qui ne prend pas part au vote? C'est-à-dire qui était absent et non représenté. Donc, il n'y a que Arnaud. Qui s'abstient? Une voix. Qui est contre ce procès-verbal? Zéro. Qui est pour? Le reste. L'unanimité. Merci. Alors, maintenant, j'ai quelques communications à vous faire. Ça va prendre un peu de temps, je vous préviens. Donc, d'abord à propos de l'évolution de la collecte des déchets. Parce qu'il y a eu un petit couac. Donc, plusieurs administrés ont reçu des courriers émanant de la métropole pour les informer qu'à partir du 5 juillet, la collecte des ordures ménagères... Juin. Donc, la collecte des ordures ménagères devait changer. Le 5 juin, c'est aujourd'hui, hein, vous l'avez noté. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la métropole nous a informé de ce nouveau dispositif qu'elle souhaitait mettre en place le 5 juin sur notre commune, comme sur les autres communes où il y avait des changements. Hein. Et puis, nous nous sommes saisis du sujet. Nous avons alerté la métropole sur le fait que nous la mettions en garde sur le fait qu'il nous semblait qu'on n'aurait pas suffisamment de temps. La métropole n'aurait pas suffisamment de temps pour informer correctement les administrés, pour les acculturer à cette nouvelle collecte des déchets, façon de collecter les déchets, pardon. Donc, finalement, nous avons eu gain de cause et ce changement de collecte est repoussé au début de l'année 2024. Sauf que, bon, ben, la métropole a... Voilà, il y a eu... c'est parti, le coup est parti au niveau de la communication et donc certaines personnes ont reçu cette information. Mais en fait, elle est erronée, elle ne sera valable que pour le début de l'année 2024. Ceci dit... Je précise d'abord que nous sommes la seule commune où le changement devait avoir lieu, où il n'aura pas lieu à la date du 5 juin. Hein. Donc nous avons eu gain de cause et nous en sommes bien contents parce qu'il nous semble vraiment très très important d'expliquer correctement aux gens et de leur permettre de se saisir du nouveau dispositif qui va avoir un impact sur leur vie au quotidien. On va en parler tout à l'heure. Je vais un peu détailler ce qui va se passer. Ceci dit, je vous rappelle que notre municipalité est favorable à la politique métropolitaine dite zéro déchet. Effectivement, nous jugeons que notre société, nous citoyens, nous produisions beaucoup trop de déchets et que nous avons la responsabilité de les diminuer. Chacun à notre niveau, bien sûr, nous pouvons agir. D'abord, on peut peut-être citer les industriels qui doivent réfléchir et s'engager et se saisir de la responsabilité à diminuer les suremballages. Les collectivités comme la nôtre doivent être aussi exemplaires. Et puis nous, en tant que citoyennes, nous devons être des consommateurs responsables en modifiant nos habitudes de consommation, en privilégiant les produits sans emballage, par exemple. C'est aussi de cette façon que nous pourrons faire pression sur les entreprises pour qu'elles modifient leurs habitudes de suremballage. Je souhaite aussi souligner là l'importance du tri pour réduire nos déchets. Beaucoup de ce qu'on met dans la poubelle peut être réutilisé et en fait n'est pas un véritable déchet si on en fait autre chose, en fait, au bout du compte. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en place, hein, Marielle, deux composteurs collectifs qui permettent aux individus, aux citoyens, aux Villeneuvois qui vivent dans des logements collectifs et qui n'ont pas de jardin, de se débarrasser, de déposer leurs biodéchets dans ces composteurs
qui ensuite font du compost et qui peuvent être réutilisés pour le jardinage, par exemple. Il faut que vous sachiez que, en moyenne, chaque habitant de la métropole produit plus de 530 kg de déchets par an. 530 kg de déchets par an pour chaque citoyenne de la métropole. Et que 250 kg et sur ces 530, pardon, il y en a uniquement 250 qui sont des résidus d'ordures ménagères et en fait qu'on peut considérer aussi comme des déchets ultimes dont on ne peut rien faire. Et encore que ceci a un coût énorme par an, 120 millions d'euros pour la métropole. Et bien sûr, c'est qui paye ? C'est le contribuable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va changer au début de cette année 2024 pour Villeneuve au niveau de la collecte ? Le changement le plus important va impacter le centre-ville parce que c'est la fin de ce qu'on appelle les crochets, c'est-à-dire les sacs qui sont suspendus en centre-ville aux crochets. Et ça va être compensé évidemment par la mise en place de points d'apport volontaires qui seront, je le précise, accessibles facilement à pied pour tout le monde. Ils sont positionnés, on a déjà réfléchi à la façon dont ils vont être positionnés pour que tout le monde ait un point d'apport volontaire, un PAV dans le jargon, facilement accessible en marchant sans que ce soit long. On pense évidemment aux personnes qui ont un petit handicap, par exemple, ou aux personnes âgées, évidemment. Alors, pourquoi enlever ces crochets ? Pour plusieurs raisons. Bien sûr, on sait que ces crochets, c'est très pratique pour les gens qui habitent en centre-ville, ça, tout le monde le sait, bien sûr. Mais il y a une problématique d'hygiène, déjà, évidemment. Donc, on peut avoir des sucs de poubelle qui dégoulinent le long du mur, il y a des odeurs désagréables, ça attire évidemment les rats, les chiens aussi, voire même les chats qui parfois éventrent les sacs, donc c'est pas très réjouissant. Et puis aussi, il y a une raison de praticité, on va dire. C'est plus facile pour le service en charge de la collecte de ramasser dans des points d'apport volontaires, ça va plus vite, que de ramasser au sac. Donc ça peut engendrer, on peut l'espérer, une diminution des coûts pour tout le monde. Voilà. Donc il y aura aussi des changements, bien sûr, ça c'était le plus important, donc je voulais vraiment insister parce qu'il va modifier le mode de vie des gens qui vivent en centre-ville. Mais les jours de collecte changeront, bon ça, voilà, on a l'habitude, on s'adapte. Et puis aussi, les rythmes des collectes pour intensifier justement les collectes, notamment pour l'habitat collectif, par exemple, et aussi pour ce qui concerne les emballages et les déchets. Donc on aura deux ramassages par semaine dans l'habitat collectif, alors que jusqu'à présent, il n'y en avait qu'un seul. Voilà pour ça. Alors ensuite, je voulais faire une autre communication sur l'extinction de l'éclairage public, puisque hier soir, enfin à minuit, a pris fin le sondage que nous avons effectué auprès de la population pour connaître la vie de la population suite à ces 6 mois de tests d'extinction de l'éclairage public. Alors, avant de rentrer dans le bilan proprement dit de ce sondage, je vous rappelle pourquoi notre municipalité a voulu porter cette action. D'abord pour des raisons de biodiversité, des réseaux écologiques, donc de préservation de la biodiversité pour toutes les espèces faunistiques et floristiques qui ont besoin de la nuit pour s'alimenter, par exemple, pour se reproduire, pour respecter ce qu'on appelle la trame noire. Ensuite, évidemment, à travers cette extinction, on vise aussi des réductions de la consommation énergétique et puis nous avions pris la... Nous nous étions saisis de ce sujet bien avant qu'on ait une augmentation du prix de l'électricité, par exemple. Mais bon, nous sommes bien contents d'avoir fait ce choix-là maintenant. On va en reparler. Et bien sûr, il y a aussi un objectif d'amélioration de la qualité de vie des riverains pour limiter l'impact de la lumière intrusive qui peut modifier le sommeil. Et même avoir des effets de ce fait sur les défenses immunitaires. Donc, par exemple, nous avons
souvent croisé, en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui dans le centre du village m'ont demandé quand est-ce que vous éteignez, parce que moi c'est allumé toute la nuit dans ma chambre, même si je ferme mes volets, je précise. Alors, quelques petits chiffres. Avant de faire le bilan du sondage, nous avons présenté un bilan au cours d'une réunion publique. Donc, je vous rappelle les points principaux que nous avons donnés. D'abord, la consommation énergétique sur la période d'extinction, si on la liste sur un an, a permis une réduction de la consommation de 38%. Donc, ce n'est pas négligeable, hein. Ensuite, nous avons eu une. Ça c'est, nous sommes appuyés sur les chiffres de la gendarmerie. Donc, ils ont comparé les chiffres de trois données de la délinquance sur trois mois en 2022 et en 2023. Donc, les mêmes. Je ne me souviens plus quel mois c'était. C'était novembre, décembre, janvier. Il y avait trois, je crois. Donc, on a une baisse de 32% pour les atteintes aux biens, de 23% pour les atteintes aux personnes et de 28,5% pour les atteintes à la tranquillité publique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les incivilités. Et puis, une dernière information, je le répète parce que ça, c'est vraiment important, et ça répond aux observations de certaines personnes qui suggèrent, à bon escient, de remplacer l'éclairage classique par du LED. Sachez que c'est déjà en branle sur Villeneuve, que nous avons actuellement 30% de l'éclairage public qui est passé en LED et que l'objectif, c'est d'en avoir 50% fin 2023 et d'avoir la totalité du parc, donc 100%, fin 2026. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, pour ce qui est des résultats, est-ce qu'il s'affiche ? Est-ce qu'on a une diapo ou pas ? Merci. Je vais commenter les chiffres. Voilà. Alors, ce n'est pas nous qui voyons le mieux, hein, c'est les gens derrière leur écran. Donc, on a eu au total 363 votants, 349 par voteur et 14 par, sur papier, qui sont venus en fait faire leur vote à l'accueil en mairie. Donc, sur ces 363 votants, 231 ont répondu qu'ils étaient sur le principe favorables à la poursuite de l'extinction de l'éclairage public, ce qui nous fait 63,80%, disons 64, et non, 131 qui ont voté non, c'est-à-dire 36,19%. Donc, voilà, ça fait 64% de personnes qui sont favorables. Donc, évidemment, nous sommes satisfaits que les administrés nous suivent dans leur majorité sur ce dispositif. Ceci dit, bien sûr, nous avons quand même entendu et lu les réponses de ceux qui n'y sont pas favorables. La préoccupation qui revient le plus souvent, c'est celle de l'insécurité. Je parle là du sentiment d'insécurité, ce qui est complètement différent de l'insécurité constatée, puisque vous l'avez vu, les chiffres de la gendarmerie, ce n'est pas les nôtres, c'est ceux de la gendarmerie, démontrent que, ben, il semblerait que l'insécurité est diminuée sur cette période de test. C'est que 6 mois en même temps, vous pouvez répondre évidemment. Et en parallèle, je voudrais vous dire que notre ville fait partie, bien sûr, du plan lumière de la métropole et que dans ce plan, un des axes importants, c'est le déploiement sur l'ensemble du territoire de ce qu'on appelle un éclairage intelligent. En fait, cet éclairage permettra une meilleure flexibilité au niveau de l'extinction et donc de la lumière. En fonction des besoins. On pourra plus facilement, par exemple, demander à ce que soit rallumée la lumière lorsqu'il y a un événement dans la ville, ce genre de choses. Et peut-être d'autres dispositifs qui pourront permettre de rassurer les personnes qui en ont besoin lorsqu'elles sortent ou lorsqu'elles rentrent chez elles. Donc d'ailleurs, je vais demander à mes équipes et à mes élus
de constituer un groupe de travail, et je pense que ça serait bien que ce groupe de travail inclue des élus, mais aussi des citoyens, justement, pour travailler à ce plan lumière, à ce déploiement de l'éclairage intelligent, et pour nous positionner notre commune par rapport à la métropole, et pour qu'on soit vraiment acteur et complètement associé à ce déploiement. Ça me semble important. Ah, je voudrais préciser par contre, parce que c'est ce que j'ai lu dans beaucoup aussi de réponses ouvertes au questionnaire, la suggestion de n'allumer qu'un réverbère sur deux ou sur trois ou sur quatre. Et nous l'avons déjà abordé en réunion publique ou ailleurs, quand on a été sollicité sur cette idée. Mais en fait, c'est un dispositif, allumer un réverbère sur deux ou sur trois, sur quatre, qui est dangereux parce qu'il produit un effet flash pour stromboscope, voilà, exactement, c'est ça, stromboscope, pour les véhicules qui se déplacent à une certaine vitesse, donc évidemment les voitures. Donc c'est complètement contre-productif, ça éblouit les conducteurs. Alors, on a eu aussi des réponses intéressantes en ce qui concerne la plage horaire d'extinction. Donc jusqu'à présent, nous éteignons de minuit jusqu'à 5 heures du matin, et ce, disons, toute l'année. D'accord ? Donc sur la plage horaire automne-hiver, donc là, la grande majorité pense que c'est OK, qu'il faut laisser cette plage horaire-là. Par contre, sur la plage horaire printemps-été, c'est plus diffus. Et c'est même la majorité dit qu'en fait, il faut diminuer la plage horaire. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Hein. Donc, il faut la diminuer. C'est là, pardon, je me trompe de ligne. C'est ça, ouais. 36,19%. Élargie 33, maintenue 30. Donc, on a une petite majorité qui voudrait qu'elle soit diminuée. Et quand on lit les réponses à la question ouverte, on voit bien que ce que voudraient les gens, c'est que l'extinction, l'été, soit repoussée plus tard que minuit, en fait. Donc, par exemple, 1h du matin. Et moi, ça me fait... Je pense que ça semble une bonne idée à beaucoup de monde, parce qu'on comprend, en fait, ce qu'il y a derrière. C'est vrai que le soir, l'été, on profite beaucoup plus, voilà, de ces soirées. On sort plus facilement, plus tardivement. Mais il y a aussi, en parallèle, des gens qui se sont exprimés sur l'idée que peut-être que c'était pas la peine de rallumer à 5h le matin l'été. Parce qu'en fait, ben, le jour est quasiment levé, on n'a qu'à observer ce qui se passe en ce moment. Donc on va y réfléchir, mais déjà sur l'idée de repousser l'extinction, ça c'est sûr. Et puis peut-être pas rallumer, en fait, ça pourrait être aussi une bonne idée. Voilà. Et puis le dernier point qui a été abordé dans ce sondage concernait la sectorisation. Actuellement, nous éteignons toute la ville, sauf les ronds-points de la M185. Donc ça, je précise, c'est important. Évidemment, on a fait ce choix pour des questions de sécurité routière, parce que même si la vitesse est limitée sur la M185, il y a souvent des gens qui finissent dans les ronds-points. Voilà, et des fois, c'est très grave. Donc, pour ces raisons-là, on n'a pas voulu éteindre. Donc, les réponses sont beaucoup plus diffuses sur la sectorisation. Donc, on a à 52%, pas tout à fait, 51,67%, les gens se prononcent pour donc une petite majorité en faveur de l'extinction de l'ensemble de la ville. Je rajoute aussi que le quartier Montélier reste allumé, on le sait. Mais je répète encore une fois, on est sur un espace qui n'est pas public, il est privé. Donc, ce n'est pas nous qui sommes aux commandes de ce qui se passe en termes d'éclairage public sur ce lotissement-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, voilà, tout à fait, tu as raison, Sophie. On est contents, c'est un sondage qui a bien fonctionné et surtout qui n'est pas tranché dans un sens ou dans l'autre, qui a priori reflète assez bien l'avis de l'ensemble de la population. Donc oui, merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont répondu. Merci beaucoup. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit, hein, à peu près. Donc je vais maintenant passer la parole à Sonia Richoux, qui va nous faire une communication importante. J'attire vraiment votre attention sur le sport. Bonsoir. Si j'interviens devant vous ce soir, je le fais au nom de la délégation que Madame le maire m'a confiée et en lien avec elle, bien sûr. Je suis choquée, scandalisée face aux événements dramatiques qui surviennent chaque week-end ou dans les lieux sportifs et dans les villes. Je veux exprimer ici ma tristesse, mon indignation et ma colère. Francfort, Ajaccio, Bordeaux et combien d'autres que l'on ignore ont été la cible d'un déferlement de violence et de haine inacceptable. Ces drames, certes perpétrés par une minorité d'irresponsables, salissent le sport et son esprit de tolérance et de respect. Mesdames, Messieurs les Présidents, les éducateurs des associations sportives villeneuvoises, j'en appelle à votre conscience sportive pour que vous portiez bien haut les couleurs d'amitié, de solidarité et de partage. De même, je m'adresse à l'ensemble des parents afin qu'ils inculquent à leurs enfants ces notions fondamentales sans lesquelles le sport ne peut survivre. La municipalité sera toujours aux côtés des clubs sportifs villeneuvois qui défendent ses valeurs et leur apporte son soutien logistique et financier au travers de mises à disposition de locaux, de subventions et en budgétisant entre autres 1 900 000 euros pour la rénovation de deux terrains de foot. Je salue l'engagement de ces personnes qui œuvrent pour le sport et j'aspire à une prise de conscience et une étroite collaboration de tous les acteurs afin que de telles tragédies ne fassent plus la une des médias mais qu'ils fassent l'éloge du plaisir du jeu et du vivre ensemble. Je souhaite que cette déclaration figure au procès-verbal. Merci à vous. Elle y figurera parce que je partage complètement les propos que tu viens de tenir. Ce qui se passe dans le sport au niveau des violences, représente quelque chose d'extrêmement grave. Et moi, je dis aux parents, soyez responsables, ne poussez pas vos enfants, et je maintiens ce que je vais dire, je l'affirme, ne poussez pas vos enfants au crime, parce que c'est bien ce qui s'est passé, quelquefois, ce week-end. Bravo. Ceci dit, c'est l'occasion aussi de féliciter notre club de foot, voilà, de foot, Villeneuvois, l'USV, pour leur montée en division supérieure. Bravo, bravo, on est très fiers de vous. Et on est aussi, très satisfaits, nous l'étions déjà, mais nous le sommes encore plus, d'avoir au programme de cet été la rénovation et la mise en place de deux terrains de sport tout neufs, synthétiques, qui vont permettre à notre club de foot de s'étendre et de faire briller les valeurs du sport, parce que nous savons que le bureau de ce club les porte haut et fort, qu'ils mettent en place des manifestations et un accompagnement éducatif pour les jeunes du club extrêmement importante et de grande qualité. Donc voilà pour ça. Oui. Oui, tout à fait. Ben, vas-y. Vas-y, vas-y. On félicite aussi l'école de rugby pour tout ce qu'ils font au niveau des enfants. Et vas-y, je t'en prie. Ils remportent aussi pas mal de tournois. Et le dernier, c'est celui de Hoche, où ils étaient ce week-end. Voilà, ils ont remporté pas mal de... Voilà. Bravo, bravo à vous, bravo. On peut les applaudir. Maintenant, je vais passer la parole à Serge Dessaigne qui a une petite communication à nous faire aussi, une information. Merci, Madame le maire. Oui, c'est une communication à la fois pour les Villeneuvois qui nous écoutent et aussi pour l'ensemble des élus. Vous savez, comme chaque année... La municipalité, le comité des fêtes vont faire en sorte que le 4 et 5 août, il y ait la fête de la plage, un travail qui est fait
avec la mairie, avec Jérémy Bouladou, élu, etc., et tous les services. Cette année, nous avons décidé, avec le Centre permanent d'initiative à l'environnement, pour l'environnement, le CPIE du bassin de Thau, de faire une initiative autour de l'environnement littoral, avec ce qu'on appelle la guinguette du littoral, et à l'ASE, qui permettra d'accueillir les gens. La guinguette vient d'être inaugurée à Metz, j'y étais la semaine dernière, et c'est un lieu où on va pouvoir débattre des risques littoraux, des phénomènes de submersion marine, mais aussi d'évolution de notre littoral. Ce qui veut dire qu'on va faire la fête, comme d'habitude, mais en même temps, on va faire la fête en essayant d'inviter la population villeneuvoise et vacancière à réfléchir à ce que va devenir notre littoral. Et dans cette guinguette, nous avons aussi pris comme la tâche d'une association, parce qu'il y aura beaucoup d'associations, il y aura une dizaine d'associations qui vont venir travailler sur cet événement, qui est, alors je le dis aussi, qui est scénographié en tant que guinguette par un espace qui a Villeneuve, puisque l'espace a été créé par l'association David Chantier, qui a travaillé à ce travail de mise en scène, de chorégraphie. Alors, nous allons avoir, rapidement, un travail autour de ce qu'on appelle la vue d'en haut et d'en bas de notre littoral. Donc, il va y avoir, et nous y travaillerons mercredi, une initiative faite avec une association qui va nous permettre de prendre avec une dizaine de Villeneuvois, mais aussi d'élus de tous les bords, majorité, opposition, d'avoir une vue faite par des cerfs-volants et de prises de photos de la vision qu'ont ces Villeneuvois, élus et aussi population, de leur littoral. Littoral étant entendu comme la mer, mais aussi la lagune, mais aussi, etc. Donc, il y aura des prises de photos dans le fin du courant de juin qui vont être faites avec ces personnes. Donc, je fais appel à ce que vous vous rapprochiez de moi et des services pour qu'on puisse prendre en compte vos inscriptions. J'invite beaucoup les élus, majorité, opposition, quels qu'ils soient, à participer aussi à cette vision. Parce que les photos qui seront prises seront retravaillées les 4 et 5 août sur la plage et donneront une vision de la population et sur leur littoral. C'est très important parce que c'est aussi ne pas être que dans une vision qui est issue de techniciens supérieurs, etc. Ils seront là. On jouera d'ailleurs avec des gens de l'INRAE qui ont fait des jeux, etc. Mais on tient à ce que la vision des Villeneuvois participe d'en haut, mais aussi en bas, à ce moment-là. Voilà, c'était une invitation à ce que vous veniez travailler fin juin avec nous, avec cette association. Et nous aurons, je pense, une inauguration aussi qui sera mise en place le vendredi, avec, à 14h ou à 11h, on va voir, qui sera faite avec l'ensemble des gens qui sont dans le CPIE, mais aussi la région, nous allons les inviter, puisqu'on est sur le plan littoral 21, mais aussi les maires des communes qui participent aux GAM et à ce qu'on appelle les intercommunalités Terre de Camargue, Pays de l'Or, et cette agglopole et la métropole de Montpellier. Merci. Merci Serge. Alors maintenant je passe aux décisions, il y en a 27, je vais essayer d'aller vite. Donc d'abord en ce qui concerne l'urbanisme, 3 attributions de parcelles au jardin de l'Emplage, changement d'attributaire en fait. Ensuite l'appréhension de 3 parcelles qui font partie d'un même lot qui a été mis à la vente au lieu dit la Rouquette pour presque 10 000 m2, donc un compromis de vente est signé, nous en avons été averti, donc nous avons fait jouer notre droit de préemption donc, pour préempter ce terrain qui présente un intérêt naturel.
et qui contient aussi une des parcelles contient aussi une maison. Voilà. Ensuite, deux décisions de mandatement d'un avocat dans deux affaires d'urbanisme qui concernent la même personne. Un autre mandatement d'avocat dans une affaire d'urbanisme. Deux décisions qui sont relatives à la demande d'annulation par des gens qui nous louaient des parcelles d'arrêter. Donc, bien sûr, on obtempère, on répond à leur demande. Ensuite, au niveau de la culture, dans le cadre de la politique culturelle de notre ville, nous renouvelons la convention avec l'association TSV qui leur permet de stocker une partie de leur matériel sur la parcelle dite des anciens ateliers techniques. La signature aussi d'une convention d'occupation précaire et temporaire avec la compagnie Soudure Urbaine sur les anciens ateliers techniques. Pour les festivités, la réalisation, nous relançons cette année encore la réalisation de la fiche La Feria des Vendanges par voie de concours, donc avec un règlement associé évidemment. La mise à disposition aussi gracieuse de deux faces municipales du réseau d'affichage urbain pour l'association Les Épicures de Maguelone afin de les aider à promouvoir leur événement qui s'est tenu le 6 mai dernier auprès du Castel, considérant que c'est un événement d'envergure métropolitaine et en conformité, bien sûr, avec la charte de la vie associative que nous avons adoptée en conseil municipal. Au niveau des affaires sociales, donc la signature d'une convention avec le CCAS pour le remboursement des dépenses mutualisées par les budgets CCAS et EHPAD, donc ça concerne des toutes petites sommes sur, par exemple, la téléphonie. La signature aussi d'une convention de partenariat avec l'association Force. Donc, on avait déjà conventionné sur 2022, on continue de conventionner avec eux, ce qui s'inscrit en fait dans notre politique sociale pour amener à l'insertion, à l'emploi des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont des difficultés à s'insérer dans le monde du travail. Et aussi, c'est une façon de soutenir et d'encourager les entreprises, les structures, je dirais plutôt, de l'économie sociale et solidaire qui œuvrent à cette cause. Donc voilà. Ensuite, au niveau des associations, nous mettons à disposition de façon temporaire sur la saison estivale des locaux du stade d'athlétisme Alain Mimoun pour la section taurine afin qu'ils puissent stocker les costumes des demoiselles de Maguelone et qu'elles puissent aussi, ces jeunes femmes, se changer à l'occasion des courses. Au niveau du sport, nous avons mis à disposition, pareil, trois faces municipales du réseau d'affichage urbain à l'association du HAND pour l'événement qui s'est tenu, je ne me rappelle pas la date, qui s'est tenu le 20 mai, c'est ça, la MHB Cup, qui est un événement d'envergure, de grosse envergure, d'envergure métropolitaine, et donc évidemment conformément à la charte de la vie associative que nous avons adoptée en conseil municipal. Au niveau de la dynamique économique maintenant, on met à disposition gratuitement la salle dite de l'ACAPU à l'Office du tourisme de la métropole. On a signé une convention avec M. Pierre Berthès pour accéder à son compteur électrique dans le cadre du marché dominical, mais en fait, finalement, on n'en a pas eu besoin. Et ensuite, un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle, justement, dans le cadre toujours du marché dominical, pour produire une manifestation culturelle lors de son inauguration. Et un petit mot, d'ailleurs, je m'arrête deux minutes sur le marché dominical. Il prend bien, on est content, il attire du monde, ça fonctionne et on a de très très bons retours sur cette manifestation. Donc, on y croit. Voilà. Ensuite, au niveau du cimetière, on a accepté trois demandes d'achat de concessions. Nous avons aussi mandaté un avocat dans toujours la même affaire, l'affaire qui nous oppose à Madame Le Poitevin et M. Charretti. Voilà, donc ça continue, ça suit son cours. Ensuite, et pour terminer, trois affaires plus d'administration générale et institutionnelle, disons. Nous avons mandaté un avocat pour conseiller les élus. Ça fait référence au point qu'abordait tout à l'heure Christophe Derouche,
pour donc conseiller les élus que nous sommes afin de nous prévenir de la prise illégale d'intérêts dans le cas où il y a un conflit d'intérêts, hein, donc de nous prévenir du risque de prise illégale d'intérêts. Plus précisément, dans le cadre justement d'un conflit d'intérêts entre un élu et l'association TSV, et plus largement dans les relations que nous avons avec les associations, en particulier lorsqu'on parle des subventions. C'est donc pour ça qu'au dernier conseil municipal, nous sommes sortis chacun notre tour quant aux besoins. Puis la signature d'un avenant au contrat dans le cadre de l'assurance sur les véhicules qu'on peut utiliser, les véhicules de la mairie qu'on peut utiliser par exemple pour le CCAS. Et puis la signature d'un contrat avec la société UBIC pour ce qu'on appelle un contrat en fait de support et d'assistance pour la visioconférence que nous avons installée, le matériel de visioconférence que nous avons installé dans la salle Mandela et que nous utilisons depuis plusieurs années maintenant, qui nous est bien utile. Voilà, j'ai terminé. Ouf, c'était long. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet et c'est très intéressant parce que nous allons commencer par des délibérations qui concernent de nouveau aux conseillers. Donc nous avons d'abord l'installation de M. Jean-Michel Flores qui vient remplacer Caroline Charbonnier qui a démissionné, qui m'a présenté sa démission, que j'ai acceptée. Et donc c'est Jean-Michel Flores qui rentre dans le conseil municipal. Donc je soumets sa candidature au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette installation? L'unanimité, je vous remercie beaucoup, bravo et bienvenue. Ensuite, nous avons aussi Madame Danielle Marès qui a démissionné et c'est donc Philippe Huguet qui a accepté de la remplacer et nous devons l'installer lui aussi. Donc je passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Oui, tu peux voter, très bien. Merci beaucoup. Donc, bravo, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir tous les deux. Alors, on va continuer parce qu'évidemment, ces arrivées impliquent des modifications sur les commissions. D'abord, sur la commission d'appel d'offres. Donc, nous proposons que Jean-Michel Flores remplace Caroline Charbonnier. Donc, je vous rappelle la liste d'abord des titulaires. On a M. Tanguy, M. Flores, donc Mme Poujol, M. Thierry Beck et M. Noguez. Et pour les suppléants, Marie Zec, Cécile Guérin, Abdella Caraga, Serge Dessaigne et Annick Régut. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à la modification de la composition des commissions municipales, c'est-à-dire, ça je le dis pour les nouveaux élus, les commissions qui se réunissent 10 jours avant le conseil municipal et qui nous permettent d'étudier ensemble et avec l'opposition les affaires qui sont présentées au conseil municipal. Donc c'est un moment important d'échange et donc de démocratie. Donc nous faisons un remplacement au nom par nom, c'est-à-dire que Jean-Michel Flores va remplacer Caroline sur les commissions où elle était, et de la même façon, Philippe Huguet va remplacer Danielle Marès sur les commissions dans lesquelles elle était. Donc, je les reprends toutes, hein, comme ça, c'est plus clair. Dans la commission de développement local, et j'en profite pour dire un petit peu ce qu'elles contiennent, parce que ça permet d'informer les citoyens. La commission de développement local concerne l'urbanisme, concerne la dynamique économique, et qu'est-ce que j'oublie? C'est souvent ça qu'on voit comme point. Voilà. Donc, pardon? Ah oui, l'environnement, effectivement. Pardon. L'environnement. Donc, elle est composée de Véronique Négret, Marie-Alice Pellet, Abdella Caraga, Thierry Tanguy, Mohamed Médas, Léo Beck, Marianne Beaumont, Marielle Grolier, Olivier Noguez et Steve Vallier. La commission administration générale, là, c'est ce qui concerne les ressources humaines, les finances. C'est tout?
Donc nous avons Véronique Négret, parce qu'en fait à chaque fois c'est moi qui préside les commissions. Corinne Poujol, Thierry Beck, Nadège Anselem, Jérémy Bouladou, Cécile Guérin, Arnaud Fleury, Serge Dessaigne, Noël Segura et Pascal Rivalière. La commission vie sociale va concerner les affaires sociales et... Les écoles, l'éducation, effectivement, la jeunesse. Voilà, pas le sport, parce que le sport, ça va être dans la commission suivante. Enfin, des fois, c'est un peu où on voit ça dans les deux. Le sport, par exemple, on peut le voir dans les deux commissions, effectivement. Donc, Véronique Négret, Marie Zeg, Marie Nafio, Dylan Couder, Marianne Beaumont, Laetitia Médas, Abdelah Karaga, Jean-Michel Flores, Philippe Huguet et Annick Régut. La commission Art de Vivre, alors la commission Art de Vivre concerne plus clair, plus, de façon plus ciblée, les associations dans leur ensemble et la culture. Véronique Négret, Sonia Réchoud, Dylan Couder, Nicolas Sicadelma, Jérémy Bouladou, Olivier Gache, Cécile Guérin, Sophie Bouquet, Virginie Martos-Ferrara et Jérémy Aliag. Voilà. Pas de remarques ? Alors je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour la composition de ces commissions ? L'unanimité ? Merci beaucoup. Le point suivant. Alors, le point suivant, on revient en arrière par rapport à ce que nous avons fait lors du conseil municipal du 27 mars dernier. Effectivement, nous avions revu la liste des délégations de missions complémentaires à moi-même, à Madame le maire, suite à une remarque de la préfecture qui nous demandait d'être plus précis, de mieux poser le cadre de ces missions complémentaires. À cette occasion, nous avions fait, on va dire, deux erreurs. D'abord, une première erreur, parce que nous avons accordé à Madame la DGS des délégations. J'essaye de retrouver... voilà, c'est ça. Des délégations. Et nous nous sommes trompés dans la rédaction de la délibération, en fait, tout simplement. Si je relis ce qui était noté dans la délibération du 27 mars dernier, donc il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à déléguer le point numéro 14 à Madame la directrice générale des services. En fait, on s'est trompé. C'est le point 13. Voilà pour ça. Et ensuite... Autre chose plus fondamentale, on va dire, nous avions proposé, enfin surtout moi, de modifier les délégations qui concerne la mission 3 et de rajouter, donc vous l'avez dans la délibération, de rajouter en fait ce qui rayait et où on précisait que Madame le maire était autorisée à louer des choses, ça c'est un terme juridique évidemment, à l'exclusion de tout nouveau local non cadré par une délibération tarifaire. Or, il s'avère qu'entre cette délibération que nous avons votée la dernière fois et aujourd'hui, nous nous sommes trouvés confrontés en fait à des demandes auxquelles nous n'avons pas pu répondre parce qu'elles concernaient des demandes relativement rares et des locaux qui ne sont pas d'habitude loués. Par exemple, la Banque Postale nous a demandé à plusieurs reprises une salle pour faire passer le code à des Villeneuvois et pour leur éviter d'aller à l'extérieur. Donc en général, c'est des gens qui sont voilà, qui ont besoin d'être aidés. Et nous n'avons pas pu répondre à la demande parce que nous n'avions pas de salle à leur louer parmi celles que l'on loue. Et nous n'avons pas pu leur mettre à disposition d'autres salles gratuitement puisque la délibération ne me le permet pas. Nous n'avons pas pu non plus répondre à la demande de moniteurs de danse, auto-entrepreneurs qui souhaitaient proposer des cours de danse et qui avaient besoin d'une salle. Bon, on n'a pas pu leur répondre non plus. Aux demandes aussi, des demandes qui concernaient le centre de loisirs de la plage qui n'a plus de tarification. Ben, je ne pouvais pas le louer gratuitement, enfin, le mettre à disposition gratuitement. Et puis aussi, d'ailleurs, une demande de club de foot extérieur qui avait besoin de rattraper des matchs retard et qui nous sollicitait pour le terrain d'honneur.
Bon, mais je n'ai pas pu l'accorder ni de façon payante ni de façon gratuite. Donc c'est pour ça que je vous propose, en dehors du changement .14.13, de rayer ce que nous avions rajouté à cette mission 3, à savoir à l'exclusion de tout nouveau local non cadré par une délibération tarifaire. Voilà. Y a-t-il des remarques ? Eh bien non. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Ah, pardon. Ben, c'était mon appel à remarque, c'était bien ça. Donc oui, oui, bien sûr. Oui, oui, micro. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc moi, je suis contre justement ce point 3, parce que je pense qu'on ne peut pas donner le monopole de conclure seul un prix de location. Tout simplement pour éviter les problèmes soulevés par le contrat avantageux qui a été passé avec l'association TSEV, qui est proche de toi. Donc je pense qu'à partir d'une certaine somme, comme il était convenu au début, quand je faisais partie de votre époque, enfin de votre équipe, on devait décider collégialement du prix des choses allouées au-dessus d'une certaine somme. Ça doit être collégial. C'est pas une personne qui peut décider ce qui va peut donner des avantages, je continue, avantages à des personnes proches. Donc j'ai bien compris que quand on fait partie d'une délégation, je te remercie des informations, quand on est conseiller à partir du moment où lors du vote on sort et on vote pas, on peut procurer des avantages à ses proches, ça j'ai compris. Ça s'appelle... J'ai compris, je t'en c'est remercie. C'est puni par la loi. Pardon, excuse-moi. C'est puni par la loi. Non. Tu m'as parlé de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit si la personne sort lors du vote. C'est ce que j'ai compris, non ? Mais ce n'est pas de ça dont tu parles, là. Si, je te dis pourquoi je suis contre le point numéro 3. Parce que je ne veux pas, je pense que ce n'est pas à une seule personne de décider. Je peux m'exprimer. Oui, tout à fait, mais pas de rapport avec le fait de sortir. Le point numéro 3, pourquoi il n'y a pas de rapport ? Mais bien sûr, on te donne l'autorisation de louage à titre onéreux et gratuit à une seule personne, à toi. Donc après, tu peux louer à qui tu veux sans aucun contrôle, ce qui me dérange. Ça me dérange fortement. Oui. Après, je voulais souligner une autre chose, c'est que je pense que ce serait... Il y a quelque chose qui est important aussi, qu'il faudrait peut-être que la mairie aborde, c'est le délit de favoritisme. En parlant actuellement, on pourrait parler de ce que l'actualité en parle. L'affaire du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui va comparaître dans le cadre d'une affaire portant sur l'attribution avantageuse d'un local lorsqu'il était maire. Donc je vais préciser que le dirigeant de l'association il va être jugé pour complicité de favoritisme, tandis que l'association, en tant que personne morale, est renvoyée pour le délit de recel de favoritisme. C'est une information. Voilà. Donc je voterai contre parce que je suis contre ce point-là. Et autre chose aussi, les préemptions, c'est pareil pour moi. Préempter au-delà d'une certaine somme, ça doit passer par le conseil municipal, par plusieurs personnes, pas par une seule personne. On ne peut pas concentrer le pouvoir dans les mains d'une personne. Il ne faut pas oublier que normalement, le maire, il est chargé de... il traduit... le conseil municipal, ce qui est voté par le conseil municipal. Ce n'est pas le maire qui décide de tout. Voilà, c'est mon point de vue. Merci. Juste, effectivement, le délit de favoritisme, on sait très bien ce que c'est. Et c'est par exemple le cas lorsqu'une collectivité fait toujours appel au même avocat, par exemple. Ça, c'est du délit de favoritisme. Et pour ce qui est de la préemption, je te rappelle que c'est un droit. Et Thierry va te répondre plus complètement là-dessus. Voilà, particulièrement sur la préemption. Au-delà d'une certaine somme. Particulièrement sur la préemption. Au-delà d'une certaine somme. Particulièrement sur la préemption. Et en plus, ça m'étonne que tu poses ce genre de questions, puisque tu faisais partie de ce groupe de travail sur l'urbanisme. Chaque fois qu'il y a des terrains ou des biens qui sont dans des zones bien définies, sur lesquelles la municipalité exerce son droit de préemption depuis 40 ans, on en parle en bureau municipal, systématiquement. Alors, juste, je vais rappeler pour les citoyens qui nous regardent, les élus de la majorité se retrouvent quasiment tous les lundis soir
pour discuter des sujets politiques, et de sujets politiques notamment de ce genre-là, du genre à, aux préemptions, mais pas que. Si on donne, et du coup, de façon générale, par rapport au fait qu'on donne un peu plus de liberté, je crois que tu tiens à la liberté, de liberté au maire, c'est tout simplement pour être plus réactif. Il faut savoir que dans ces bureaux municipaux, c'est pour ça que ça m'étonne que tu mettes en doute le fait que Madame le maire décide toute seule. Ça, c'est systématiquement discuté en bureau municipal, et s'il n'y a pas d'accord consensuel, ça passe au vote en bureau municipal avant toute chose. Donc ça répond à ta question. Pas tout à fait, parce que pourquoi lui donner la possibilité, si ça passe en commission, je ne vois pas pourquoi la réactivité, votre motif, c'est qu'il faut qu'on soit plus réactif. À part une urgence médicale, la réactivité, non. Tous les lundis vous vous réunissez. Oui. En théorie. Oui. Donc on a pouvoir. Non, mais là ça a bloqué. Ouais. Là, c'est les services que ça a bloqué. Ils ne pouvaient pas donner de réponse. Voilà. Parfois, c'est tout. Oui. Et puis parfois, je peux te donner un exemple. Alors, je ne sais pas si tu as compris, si tout le monde l'a en tête. En fait, ce qu'on fait là, ce que je propose de faire là, c'est de rétablir ce qui existait jusqu'au 27 mars dernier. Que ce soit bien clair. D'accord ? Ce qui existait sous notre mandat jusqu'au 27 mars dernier, ce qui existait déjà dans les autres mandats avant. OK ? Et ça m'a permis, par exemple, il y a quelques mois, des gens qui sont venus enterrer quelqu'un sur Villeneuve, mais plus personne de la famille n'habite sur Villeneuve. Ils nous ont demandé une salle pour se réunir et se recueillir une paire d'heures. J'ai pris la décision... Parce que j'ai dit au service comment on faisait avant, comment le maire faisait avant. Il octroyait gracieusement l'utilisation de cette salle dans ce genre de cas. Ben, évidemment, on ne va pas faire payer des gens qui se réunissent parce qu'ils enterrent quelqu'un sur notre commune. C'est de ça dont on parle. C'est de ça. Et je te rappelle, ça fonctionnait comme ça depuis toujours jusqu'au 27 mars dernier. C'est tout. Je pense que tu es entouré quand même de conseillers qui peuvent t'aider aussi et que tout ne doit pas reposer. Je dois appeler quand quelqu'un veut une salle parce qu'ils enterrent quelqu'un, par exemple. Je pense que tu n'es pas seule à la mairie quand même, Véronique. Il y a du monde. Mais tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas, en fait. Il faut faire un conseil municipal, en fait. Si je n'ai pas cette possibilité, il faut faire un conseil municipal. C'est tout à fait ça, Sophie. C'est ça qui n'est pas clair. Ça veut dire que la demande, par exemple, de la Poste, il faut qu'on y réponde au prochain conseil municipal. Sauf que le conseil municipal, il s'est tenu entre le 27 et maintenant. Il s'est écoulé presque, j'exagère un peu, deux mois. Ouais. D'accord ? Donc, du coup, oui, plus de deux mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, la demande, elle est plus... Si on leur dit, oui, attendez, le prochain conseil municipal, on vous répondra, mais c'est trop tard, ils vont chercher ailleurs. Ils vont aller à Mireval, par exemple, j'en sais rien. Donc, voilà. C'est pour le fonctionnement normal sur des choses qui n'ont pas d'incidence, mais qui sont importantes pour certaines personnes. Voilà, quoi. C'est tout. Et être réactif. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas des choses stratégiques. Par rapport à la location des salles, une commission aussi s'est réunie. Oui. Il y avait Léo Beck pour les tarifs aussi des marchés, etc. Une commission s'est réunie et nous avons décidé ensemble donc, de l'augmentation très, très petite hein, des locations de salles. Sauf que, effectivement, moi, je donne un autre exemple sur le centre aéré de la plage. Le centre aéré de la plage, si on regarde, il n'est plus en location, n'est plus loué. Je l'ai dit. Or, on peut le prêter. Mais il faut prendre une décision, là aussi. Et voilà. Voilà. On ne le loue plus, il n'y a pas de tarif, mais on peut le prêter à titre gratuit. Je fais un pléonasme, oui, là. Oui, mais hein. C'est... Prêter titre gratuit, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, effectivement. Voilà. Je peux un dernier mot. À titre gratuit, moi, j'ai aucun problème, mais que dans les cas d'urgence. Mais comment tu les connais, les cas d'urgence, toi ? Ben, un enterrement, par exemple, une salle pour un enterrement, pour un recueil. C'est pourquoi on ne précise pas dans les cas d'urgence ?
conclure tout louage à titre onéreux pour une durée n'excédant pas 12 ans. Ton urgence à toi ne sera peut-être pas l'urgence de quelqu'un d'autre. Une urgence, c'est, voilà. Je suis désolé, une urgence, c'est une urgence. Je pense qu'on a des cerveaux tous et on sait qu'il y a quelque chose d'urgent. Mais ça n'a rien à voir avec le cerveau. Tout à fait, ce qui est urgent, c'est urgent. Mais ça n'a rien à voir avec le cerveau. Bon, allez, on arrête la discussion parce qu'on va bloquer, on va finir à 9h. C'est ça, merci. Exactement. Merci. Donc, je tiens à rajouter, pour compléter ce que disait Sonia, qu'on est toujours en réflexion par rapport à la façon dont on traite, entre guillemets, les différentes organisations, associations, organisations de l'économie sociale et solidaire, entreprises, les organismes Villeneuve, pas Villeneuve. Donc, on est encore en train de continuer à réfléchir. On a monté un groupe de travail, tout ça pour dire que absolument pas, je ne décide absolument pas seule. Et donc, voilà, on est en train de mettre en place d'autres critères et d'avancer sur cette idée de tarification pour laisser le moins de vide possible et pour que effectivement, j'ai le moins souvent besoin d'utiliser cette délégation de mission. C'est tout. Voilà. Bon, je me vote maintenant. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour cette délibération ? Merci beaucoup. Alors ensuite, nous changeons de sujet. Et là, je vous propose de voter une motion... Une motion de soutien à la fois à la libre pensée, je vais expliquer ce que c'est, et au maire de Saint-Brévin-les-Pins, et une motion aussi, en fait, qui consiste à affirmer les valeurs républicaines et démocratiques contre l'extrême droite. La libre pensée est une association 1901 qui agit dans la défense de la laïcité telle que celle-ci est conçue par la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Dans le cadre de son action, elle est amenée à agir notamment en justice pour prévenir des atteintes à la laïcité et de son instrumentalisation. Cela lui vaut des agressions inacceptables. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins a pris avec son conseil municipal la décision d'accueillir sur sa commune ce que l'on appelle un CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Cela lui a valu l'incendie de sa maison, des pressions et des menaces. Les élus du conseil municipal de Villeneuve-les-Maguelones souhaitent d'une part leur apporter un soutien appuyé et d'autre part affirmer les valeurs républicaines et démocratiques auxquelles nous adhérons. En premier lieu, nous déplorons les agissements des groupuscules d'extrême droite de plus en plus organisés et qui mènent de véritables actions d'intimidation. Cette violence n'a absolument pas sa place dans le débat public. Ces actions radicales de l'extrême droite visent à déstabiliser les institutions républicaines, que ce soit les associations avec la libre pensée ou des figures institutionnelles avec le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Nous ne pouvons pas supporter que soient attaqués des symboles de notre pacte social. Et nous appelons donc à la condamnation la plus ferme et la plus unanime possible de ces agissements. Ils distillent dans notre société par petites touches de la défiance et ont pour but d'intimider les différents acteurs démocratiques, réduisant ainsi leurs espaces de liberté. En second lieu, les élus du conseil municipal de Villeneuve-les-Maguelones sont attachés aux valeurs républicaines et démocratiques. Nous ne pouvons pas tolérer que soient remises en cause des libertés fondamentales comme la liberté d'expression et la capacité des élus de pouvoir administrer leur commune, rendant compte uniquement à leurs administrés et à aucune manière à des groupes de pression d'extrême droite. Nous souhaitons affirmer notre attachement à la laïcité, principe directeur de notre République qui permet à chacun d'avoir une administration neutre et d'être libre de croire ou de ne pas croire. Un principe absolument essentiel à la vie de notre société et au vivre ensemble. S'attaquer à la laïcité, c'est s'attaquer à l'équilibre social et aux libertés individuelles que garantit la République. Pour toutes ces raisons, nous dénonçons les agressions subies par les victimes de l'extrême droite. Qu'ils reçoivent nos amitiés républicaines.
Nous œuvrerons à promouvoir ces valeurs chères aux citoyens partout où nous le pourrons et continuerons à notre échelle à construire une commune du vivre ensemble où tous les citoyens trouvent leur place sans exclusion. Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Albert Camus. Des réflexions ? On peut s'applaudir. Je soumets donc cette motion à votre vote. Qui s'abstient ? Une intervention de Christophe Derouche. Merci. Bon, je suis républicain, je pense que je l'ai prouvé par mes prises de position publiques qui ont été médiatisées dans le passé. On ne peut pas m'accuser de ne pas être républicain. Ça, c'est évident, les faits le prouvent. Hein. Je suis contre la violence, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je soutiens le maire parce que j'estime que c'est inadmissible qu'un maire soit attaqué effectivement quand il est dans son mandat. Quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses idées politiques, c'est inadmissible. Par contre, il y a une chose qui me dérange énormément, c'est qu'on montre un extrême, l'extrême droite violent, je suis contre, l'extrême gauche, non. Donc, je ne suis pas borgne. La position de la mairie, apparemment, la violence d'extrême gauche ne semble pas vous déranger parce que vous pointez que la violence d'extrême droite. Je pointe la violence d'extrême droite et d'extrême gauche, parce que je pense qu'il y a de la violence des deux côtés, et quand on affirme les valeurs républicaines contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche aussi. Voilà, c'est mon point de vue. Donc je voterai contre, parce que je pense que la violence, elle est d'extrême droite, d'extrême gauche. Je suis pour le soutien aux maires, à tous les maires. Je suis pour le soutien à la libre pensée. Je suis un républicain. Je dirais vive la République, vive la démocratie, et il faut arrêter ces idéologies où, parce qu'on croit tout savoir, n'oubliez pas que croire, c'est oublier de savoir. Il faut savoir regarder à droite et à gauche. Et je pense qu'il faut qu'on soit juste. Voilà, merci. C'est justement dans cette optique-là qu'on condamne, qu'on souhaite présenter et voter cette motion pour empêcher certaines personnes d'imposer leur façon de penser à d'autres. Exactement. Et l'extrême gauche ? Olivier Gache. Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec toi. Ici, ce qu'on essaye de faire, c'est remettre des mots et des mots justes sur ce qui s'est produit, c'est-à-dire du terrorisme d'extrême droite. Ce que personne n'est arrivé à dire, par exemple, au niveau gouvernemental. Et finalement, tu tiens le même discours qu'Elisabeth Borne sur ce sujet, c'est-à-dire renvoyer dos à dos des manifestants qui vont briser les vitres, et du terrorisme d'extrême droite, c'est-à-dire le fait qu'il y a un homme, il y a une famille, une maison avec des gens dedans qui a été brûlée, ainsi que des véhicules. Ces gens-là étaient à l'intérieur. Ça s'appelle du terrorisme d'extrême droite organisé. Et précisément, quand tu parles de violence, est-ce que tu sais de quoi tu parles ? Combien y a-t-il de morts liées à l'extrême droite depuis 50 ans ? Combien y a-t-il de morts liées à l'extrême gauche depuis 50 ans ? Tu le sais ou pas ? Non, tu le sais pas. Déjà 6 millions. Depuis 50 ans, ces 50 dernières années, il y a 5 morts liées à l'extrême gauche, quasiment uniquement dues à Action Directe, donc dans les années 80, et 50 morts d'extrême droite. Et en fait, en ce moment, précisément, quand on essaye de mettre sur le même plan un maire qui se fait attaquer chez lui avec sa famille et des violences en manifestation, il y a quelque chose de grave qui se joue. Voilà. Serge Dessaigne, bravo. Serge Dessaigne, Olivier Nogues. Merci Madame le maire. Parler de violence, ce qui m'importe là, c'est la question de la République. Une République d'accueil. Et quand des lieux doivent être ouverts, comme un centre d'accueil pour personnes demandeurs d'asile, ou comme chez nous, un lieu qui s'appelle le Prada.
et que des groupuscules d'extrême droite, reconnus comme tels, viennent dans des villes pour empêcher que des conseils municipaux prennent des décisions, en viennent à ce que des maires démissionnent, que ces lieux soient refusés. C'est ça qui est en question aujourd'hui, là. C'est dans un pays qui parle de la liberté de conscience et la loi de 1905, c'est reconnaître à chacun le droit d'exister par lui-même. Mais ça, aujourd'hui, c'est bien l'extrême droite qui l'oppose. Et on ne condamne pas assez l'extrême droite. Parce que c'est pas de la violence physique, même si, comme l'a dit Olivier, on arrive à incendier des maisons ou casser autres, mais c'est du refus que les collectivités territoriales puissent gérer par elles-mêmes. C'est ça ce qui s'est passé dans les communes. Et ça va même plus loin, puisque certains élus ne votent plus des installations et sont amenés à enlever, y compris à leurs élus, le droit de pouvoir dire que c'est inadmissible d'avoir reculé devant l'extrême droite. Ça s'est passé avant-hier, en catimini, dans une municipalité qui avait refusé, parce que l'extrême droite était venue manifester, parce que l'ensemble de l'extrême droite d'une région, qui est la région Bretagne, était venue dans un village pour refuser un CADA, eh bien voilà. Aujourd'hui, c'est une élue qui est y compris démissionnée par son conseil municipal parce qu'elle a dit c'est inadmissible d'aller en arrière. Donc aujourd'hui, cette décision-là, elle est forte, comprends. Et refuser de se positionner avec, soi-disant, renvoyant dos à dos la droite et l'extrême droite et, soi-disant, une extrême gauche, c'est, à un moment donné, refuser de dire le ventre est encore fécond, le ventre est encore fécond qui a fait sortir la bête immonde. Merci, oui. Olivier Noguès, pardon. Merci, merci Serge. Merci Madame le maire. Noël souhaitait faire une petite intervention à ce sujet et il voulait rappeler quand même qu'il y a eu une augmentation de 32% des agressions des élus en règle générale. Ce n'est pas que les maires, mais ce sont aussi tout les à fait élus. Donc, et par contre, Yannick Morez, qui était le maire de cette commune, ne participera même pas au défilé mercredi parce qu'il regrette cette récupération politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on est en train d'acquiescer un petit peu ça en disant on va faire une motion de censure pour ce monsieur, pour ce maire, qui avait une fonction, et alors qu'il va y avoir une marche qui va être réalisée pour le soutenir, mais qui a été récupérée politiquement. Et il se refuse à ça. Donc, je suis assez d'accord avec Christophe sur ce point-là, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'extrême droite, mais c'est tout un tas de partis, y compris les extrêmes gauches et tous les autres partis qui sont aussi peut-être à montrer du doigt. Hein, parce que malheureusement, il y a des brebis galeuses dans tous les partis. Et ce n'est pas que dans l'extrême droite qu'il y a des brebis galeuses. J'entends et je dénonce effectivement toutes ces violences, mais on ne peut pas stigmatiser qu'un sujet. Je vous prends pour exemple donc, la maire Anne-Françoise Pédalu, maire de Plougrescan, en Côte d'Armor, à qui on a sectionné les câbles de frein. On dit pourquoi ne ferions-nous pas nous aussi une motion de censure pour justement soutenir cette maire qui a été par qui? Dans le cadre de sa fonction de maire. Mais c'est quoi la revendication qu'il y a derrière? C'est qui a fait ça? On le sait? Moi je ne le sais pas. Ben mais, voilà. Mais cette personne a été quand même victime d'une agression. Ah mais complètement. Et c'est déplorable. Aujourd'hui, la fonction d'élu et la fonction de maire doivent revenir au centre du village, hein, et il faut qu'elles soient respectées. Et ce n'est pas qu'en présentant un seul cas
qu'on va avancer sur ce sujet-là. Voilà. Donc, merci. C'est pour ça que nous nous abstiendrons sur ce point-là, malheureusement. Corinne Poujol voulait compléter, répondre. Oui, je pense, Olivier, qu'il y a une confusion. La marche dont tu parles en soutien au maire de Saint-Brévin, je crois qu'elle a déjà eu lieu. Effectivement, et apparemment, c'était le 24 mai. Effectivement, il se méfiait des récupérations par des politiques, notamment de gauche. Et puis, finalement, il me semble qu'à l'issue de la manifestation, il s'est déclaré très ému de ce soutien qui lui a été apporté. Voilà, donc notre motion, elle vient après la manifestation, en fait. C'est bon, on a fait le tour des remarques, on passe au vote. Encore ? Intarissable sur ce sujet. Non. Allô ? Ouais. Juste pour te répondre, pourquoi se focaliser sur ce sujet-là ? C'est quand même pas tous les jours que cela va aussi loin dans la violence, c'est-à-dire où vraiment on cherche à tuer un maire. C'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les jours. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi... ça montre aussi le désengagement de l'État dans ce genre de cadre, en fait. Aussi. C'est-à-dire que le fait de créer des CADA, des PRADRA, etc., c'est aussi une volonté étatique. Et en fait, quand il y a des politiques qui sont menées, des politiques décentralisées qui sont menées par des maires, eh ben y a pas d'appui. Et finalement, c'est une métaphore de beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, j'ai l'impression, quoi. Et c'est en ça que ça me semble un peu universel comme combat, ce qui est arrivé à ce maire-là. Merci. On passe au vote. Qui s'abstient ? On compte 6, c'est ça ? Oui. Qui est contre ? 1. Qui est pour ? Merci. Alors, oui, donc j'allais dire plus léger, mais pas vraiment en fait. Nicolas Sica Delmas, à toi. Merci Madame le Maire. Bon, c'est un peu plus léger. Donc c'est la convention intercommunale de coordination des interventions de la police métropolitaine, des transports et des forces de sécurité de l'État. Donc, par les délibérations du 7 juin 2021, le conseil métropolitain a approuvé la création d'une police municipale intercommunale nommée Police métropolitaine des transports, la PMT. Cette police métropolitaine a vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire du réseau de transport en commun de la métropole et à accompagner la prochaine gratuité des transports. En vertu des dispositions de l'article L512-4 du Code de la sécurité intérieure, une convention conclue pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction express, doit être élaborée. Elle vient préciser la nature et les lieux d'intervention, ainsi que les modalités d'intervention des agents de la police municipale affectés à la police métropolitaine des transports. Cette convention a pour objet d'organiser une coproduction de la sécurité entre l'État, Montpellier Méditerranée Métropole, les communes signataires de la présente convention et la TAM, Société publique locale dédiée à l'exploitation des transports en commun métropolitains de voyageurs. Elle détermine également les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État. Les forces de sécurité de l'État, gendarmerie nationale et police nationale et la police métropolitaine des transports ont vocation à intervenir sur le réseau de transport en commun présente sur le territoire des communes signataires de la présente convention. La police municipale des transports est amenée à travailler de concert avec les forces de sécurité de l'État, les services de sûreté, les agents de contrôle de la société d'exploitation, ainsi que les polices municipales des communes, dès lors que celles-ci existent. Afin d'assurer la mise en place opérationnelle de la police métropolitaine des transports, envisagée pour le mois de septembre 2023, il est nécessaire que chaque maire des communes membres du Montpellier Méditerranée Métropole signe la présente convention après délibération au conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention jointe et d'autoriser Madame le maire à signer ainsi que tout document nécessaire à l'application de la présente décision. Le conseil municipal délibérera pour approuver les termes de la convention intercommunale de coordination des interventions de la police métropolitaine des transports et des forces de sécurité de l'État et autoriser Madame le maire à désigner la convention annexée à la présente décision
ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Avant de voter, si je peux rajouter quelque chose, Véron, vas-y. Je veux venir sur l'article 5 de la Convention, où c'est appui ponctuel au bénéfice des communes de Montpellier Méditerranée Métropole. La police métropolitaine des transports est dédiée à la sécurité des usagers empruntant les transports en commun. Des missions complémentaires ont été identifiées pour répondre à un besoin ponctuel d'engagement de la police métropolitaine des transports. À la demande des maires de Montpellier Méditerranée Métropole, au président Montpellier Méditerranée Métropole, lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, ou d'un événement majeur, catastrophe technologique, naturelle ou déclenchement de PCS. Les agents de la police municipale, de la police métropolitaine des transports peuvent être sollicités pour exercer les missions dévolues aux agents de police municipale auprès des communes membres, comme prévu à l'article 2, alinéa 6 et 7 de la présente convention. Je vais aller un peu plus vite. Donc l'alinéa 6 et 7, c'est gestion et sécurisation des grands événements à caractère pluricommunal et à rayonnement important en risque majeur en appui des polices municipales, locales. Sécurisation des sites culturels, sportifs et de loisirs à caractère pluricommunal et métropolitain et générateur d'affluence importante. Je pense qu'il faudra bien insister, s'appuyer oui, là-dessus lors de nos événements. Tout à fait. Voilà. C'est une bonne idée. Et en particulier sur les événements. Donc, on a des événements sur Villeneuve qui sont de plus en plus nombreux à être de caractère métropolitain. On en parlait tout à l'heure. Mais aussi bien retenir qu'en cas de réalisation d'un risque, comme par exemple les inondations, on peut faire appel à l'aide de cette police métropolitaine dite des transports. Voilà. Très bien. Il faudra le faire. Oui, tout à fait. Monsieur Serge Dessaigne. Oui, c'est bien qu'on ait parlé de cet article 5, puisque pour ma part, j'ai pris la parole en conseil métropolitain. Il peut paraître bien, cet article 5, mais en même temps, il pose la question de l'autorité, qui est celle de l'autorité communale en matière de sécurité. C'est bien très important de savoir que ça sera sous l'autorité de Madame le maire. Bien sûr. Et de tous les maires. Parce que sinon, on est dans un glissement, encore, d'une des compétences. Je rappelle que, au niveau régalien, c'est à l'État, normalement, d'assurer les sécurités, que de plus en plus, c'est les communes, sur leurs moyens propres, etc., et qui sont obligés de prendre en charge cela. On sait qu'on est, nous, une commune qui est à la fois un espace où il y a 9 km de plage, je redis ce que j'ai dit en conseil métropolitain, mais en même temps, nous ne sommes pas une station balnéaire dotée d'une dotation de fonctionnement qui nous permette, comme Palavas ou les autres, d'avoir des polices, y compris, qui soient des polices qui puissent traiter la sécurité des plages dans la bande des 300 mètres, même si je rappelle que c'est à l'État, normalement, de traiter ces questions-là. Donc, j'ai fait appel à la réflexion de la métropole sur comment gérer, avec nos partenaires aussi des autres PCI, la question de sécurité dans la bande des 300 mètres et sur nos plages. Je rappelle que la compétence plage est maintenant métropolitaine sur le domaine public maritime, mais que la sécurité est bien la nôtre. Madame le maire a encore reçu avant-hier une demande sur les questions de sécurité dues, et c'est pas n'importe qui, c'est un loueur de jet ski qui appelle à la municipalité à prendre des mesures, parce que même eux, en tant que joueurs de jet ski, ils voient des bateaux dans la zone des 300, ils voient des gens changer sans permis de conduire, etc., de permis nautique. Donc, il est important que cet article existe, mais il faut être très, très vigilant sur le fait que la commune doit être et doit rester, au niveau sécuritaire, le premier. C'est Madame le maire est officier de police judiciaire, c'est pas rien. Il faut que ça, cette compétence, reste. Après, qu'il y ait des coopérations intercommunales, c'est possible, mais cette compétence, il faut qu'elle reste à Madame le maire. Voilà le sens de mon intervention au conseil de métropole. Souvent, on oublie de dire ce qu'on fait à la métropole. Voilà, vous êtes au courant de mon intervention. Merci beaucoup. Autre chose ? Alors, je mets au vote, donc.
cette convention, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour ce conventionnement, unanimité. Merci beaucoup. Alors là, oui, du plus léger, qui va nous faire du bien ce week-end. On attend ça avec impatience. Donc Jérémy Bouladou pour la poulpinade. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, ce week-end aura lieu la première poulpinade villeneuvoise. Donc, qu'est-ce que c'est que la poulpinade ? La poulpinade, je vous donne à tous rendez-vous pour commencer à partir de 9h du matin au bord des étangs, au niveau du Mas 9. Ensuite, on va pouvoir visualiser l'arrivée des pêcheurs, comment se travaille le petit métier de la pêche sur nos étangs, autour d'un petit déjeuner qui vous sera offert. Ensuite, pour vers 11h30, il y a le concours culinaire où vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez au service événementiel où il sera établi d'un jury tout à base du fameux poulpe. À partir de là, c'est à partir de 16h, nous aurons une chasse aux poulpies pour les enfants qui va se dérouler sur la piste cyclable du départ des arènes jusqu'aux étangs. Ensuite, à 17h30, nous aurons le défilé du grand poulpe qui a été fabriqué par notre comité des fêtes. Il est bien tombé celui-là. Pas fait exprès. Et à partir de là, il va partir du parvis de la mairie jusqu'au grand jardin où sera ouvert les hostilités, on va dire, avec trois associations du village qui sont la section taurine, Envie Flag et le comité des fêtes qui vont vous proposer des mets culinaires à partir de tout ce qui est à base de la mer. Il faut venir voir, ça sera très bon. Nous aurons aussi l'association Émergence qui viendra faire au son des ukulélés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voter les conventions de partenariat avec ces associations. Et je demande au conseil municipal de bien vouloir voter, à Madame le maire de faire voter, pardon. T'en prie. Ben, merci beaucoup pour cette présentation bien complète. Je rajouterai juste qu'il y aura des manifestations aussi musicales en dehors du ukulélé. Donc, une petite surprise. Vas-y, une petite surprise. Ouais, c'est des petites surprises locales, on va dire, de la région et notamment de chez nous, traditionnelles de chez nous. Pour commencer avec, on appelle ça les bodegues, c'est la cornemuse occitane. Et ensuite, le soir, rendez-vous à 21h, j'ai oublié de le dire, pour un grand concert de Comrade Irish Band. Et tout ça se déroule au Grand Jardin. Oui. Il avait été annoncé aux arènes, mais par connaissance et par inscription qu'on a voulu commencer à faire, nous avons énormément de monde dans les arènes. La jauge ne nous le permettait pas. Donc nous décalons toute cette festivité sur le Grand Jardin. Oui. Par prudence, effectivement. Par prudence, oui. Oui, tout à fait. Et espérer qu'il fasse beau. Oui. Oui, on va croiser les doigts. Et je rajouterai que le groupe, le concert le soir, il y a des gens de l'extérieur de Villeneuve qui ont vu que ça allait avoir lieu sur Villeneuve. Ils m'ont dit, mais c'est un gros truc, ça. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être très, très, très sympa. Et puis, je voudrais rajouter aussi que nous avons demain un rendez-vous à France Bleu Hérault, donc pour participer à une émission culinaire. Mais en fait, voilà, ils nous ont demandé de venir puisque se sont saisis de cette opportunité de festivité, la poulpinade. Donc, nous allons participer à cette interview demain et sur Radio Clapas aussi après-demain. Voilà, ce sera l'occasion pour nous aussi, pour moi aussi, de poser un regard politique sur cet événement et de justifier aussi pourquoi nous le faisons. Je dirais qu'il y a deux points essentiels. D'abord parce que nous sommes convaincus encore et toujours que le vivre ensemble se construit par la multiplication des occasions de rencontres de toutes sortes, mais notamment de fêtes. Donc ça, c'est important. Et les Villeneuvois, on le voit, on le sent depuis qu'on est là, répondent extrêmement présents à ces occasions de rencontres. Donc on y va, on continue. C'est ce qui nous permet de,
vivre bien ensemble et d'être en, parce qu'on est en relation et qu'on se croise. C'est comme le marché du dimanche aussi. Tu veux rajouter quelque chose ? Vas-y. Oui, parce que je les ai oubliés. Et on a tenu à travailler qu'avec nos producteurs locaux. C'est-à-dire, on a demandé à nos trois domaines viticoles de la commune, les Compagnons de Maguelone, le château d'Exendre et le domaine du Chapitre, qui seront présents avec nous pour vous présenter leur vin. Très bien, très bien, bravo. Et je rajouterai aussi que c'est l'occasion d'attirer le regard sur notre territoire naturel, sensible, extrêmement sensible, et le poulpe c'est un animal, c'est une ressource aussi alimentaire, mais que si on ne prend pas soin de l'écosystème dans lequel il vit, il disparaîtra. Et c'est à travers cette occasion de voir comment le métier de la pêche traditionnelle fonctionne. C'est intéressant de relier ces deux choses-là, parce que les métiers traditionnels, d'où, je dirais, de prélèvement sur les ressources, ils vont dans le sens de la préservation, justement, de ces ressources. Et bien sûr, on ancre ça dans le territoire Villeneuve et son exceptionnel environnement naturel. Et donc là, je pense qu'on a la bonne recette pour le poulpe, sans faire de jeu de mots. Voilà. Bon, voilà. Donc, on est très contents et on est sûr qu'on aura du monde sur cet événement. En tout cas, on va bien le vendre demain et après-demain. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on conventionne avec les associations dont vous a parlé Jérémy. Je mets au vote. Qui s'abstient ? Une question, pardon. Moi, Madame le maire, j'ai relu les conventions et j'avais une petite interrogation concernant les débits de boissons. Il est marqué 1,2 degré pour toutes les associations. Donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas vendre de vin. Ouh, ça c'est une erreur. Et, ah non. Et vas-y. Notamment le comité des fêtes ne peut même pas vendre de la bière avec 1,2 degré. Pas. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur sur la convention de débit de boisson ? Oui, moi je peux te répondre de suite. Ça, on s'est entendu avec les trois associations. Effectivement, ils ne vendront même pas de la bière. Ils vendront du soft, Coca, Origina, Eau, Perrier. Seuls les viticulteurs pourront vendre leurs produits. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas la feria. Voilà. Exactement, c'est ça l'explication. Voilà pourquoi. Ouais. C'est vraiment pour poser... On m'entend ? Oui. Ah, c'est pas... Oui, c'est pour poser un esprit différent et avoir un événement peut-être plus familial, en fait. Quoi. Voilà. Merci. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre, qui est pour, tout le monde, c'est parfait. Alors ensuite, un peu moins fun, je dirais. Donc c'est moi qui présente une proposition d'adhésion au service commun de référents déontologues élus du SFMEL. Alors je vous dis ce que c'est tout de suite, comme ça on n'y revient pas. Donc c'est le centre de formation des maires et des élus locaux, le SFMEL. Donc, en fait, tout élu local doit avoir la possibilité de consulter un référent déontologue lorsqu'il en reçoit le besoin, par exemple pour être accompagné, recevoir certains conseils. Et donc, en même temps, le référent déontologue ainsi que le collège des référents déontologues doit être désigné par délibération du conseil municipal nous concernant. Donc, je vous propose de permettre aux élus que nous sommes tous hein, de consulter le référent déontologue du collège des référents déontologues qui a été mis en place par le SMEL. Voilà, tout simplement. Administratif pur. Pas vraiment, parce que c'est institutionnel, juridique. Tout à fait, c'est extrêmement important de pouvoir être accompagné. C'est bon pour vous ? Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Merci. La délibération suivante concerne un événement extrêmement important, je dirais d'intérêt absolument général. Je passe la parole à Cécile Guérin. Bonsoir. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'une convention de partenariat que nous
vous demande donc, Madame le maire va vous demander de valider, avec une association qui s'appelle APOH, Association de prévention en orthophonie de l'Hérault. Cette association propose à la commune d'accueillir une grande journée intitulée « Les écrans, un jeu d'enfant ?» Point d'interrogation. Il s'agit d'un... Alors, pour le contexte, donc, c'est le mardi 4 juillet, ce serait le mardi 4 juillet. C'est un sujet de santé publique puisqu'il s'agit justement d'aborder la surexposition croissante aux écrans et leur impact sur le développement des jeunes et des plus jeunes enfants. Dans ce contexte-là, la commune a souhaité mettre à disposition la salle polyvalente Sophie Desmarais et le théâtre Jérôme Savary pour cette journée qui sera composée de deux parties. Une partie en direction des professionnels de la santé et de l'éducation, avec des tables rondes et des colloques sur justement cette surexposition aux écrans, mais également une partie tout public, donc gratuite évidemment, de 17h à 18h30, avec beaucoup d'ateliers, de stands qui seront, on l'espère, autant d'alternatives justement aux écrans. Et puis une petite conférence également sur ce temps-là, en fin de journée, le mardi, en forme de boîte à outils d'alternatives donc aux écrans. Il nous a semblé intéressant de constituer un partenariat avec cette association qui nous a sollicité, parce que, encore une fois, c'est un sujet de santé publique. Dans ce partenariat également, l'association a proposé au CM2 de la commune d'assister à un spectacle de danse d'une compagnie parisienne qui descend tout exprès, spectacle intitulé « Sans le savoir ». Ce spectacle donc est à destination des professionnels qui vont payer pour y accéder, mais également des CM2 accompagnés de leur enseignante. Et c'est une création qui va justement interroger notre rapport aux écrans et qui va susciter donc une réflexion sur les dangers de surexposition à outrance aux écrans. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Premier partenariat, nous en ferons un bilan et nous verrons si on le reconduit. Disons que s'ils nous proposent toujours des montages aussi intéressants, il y a des chances qu'on leur dise oui à chaque fois. Là, vraiment, c'est ce qu'on disait là, en discutant avec les élus autour. C'est vraiment, vraiment très intéressant comme dispositif. Il y a une autre chose, c'est une intervention donc, en amont de ce spectacle auprès des CM2, dans les classes des CM2, par une orthophoniste, justement, pour établir ce dialogue et préparer la venue au spectacle et donc la réflexion autour de cette surexposition. Oui, bien sûr, Marie Zec. Je voudrais aussi rajouter que cette journée professionnelle est accessible à 5 de nos agents. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est vrai, tu as raison. L'association propose à la commune que 5 agents puissent intégrer cette journée de colloque avec ses spécialistes donc, en orthophonie et ses spécialistes de la santé, voilà, pour que la commune puisse aussi bénéficier de cette formation. Un partenariat très, très riche et extrêmement... Dans l'air du temps, dans les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et voilà. Donc vraiment très très bien, on est très heureux de cette proposition. Et donc ça se tient le 3 et le 4 juillet tout ça. En fait le 4. Le 3 l'après-midi c'est juste voilà. La répétition et le montage du spectacle. Oui, c'est pour ça qu'ils réservent la salle. Voilà, c'est ça. Exactement. Et après vous aurez donc les affiches qui expliquent par le menu tout ce qu'il y aura accessible au public donc gratuitement, à savoir des jeux, beaucoup de stands, plusieurs partenaires comme Aérosport, le réseau des médiathèques bien évidemment, le Toucan Rêveur qui est une librairie, Excalibur qui est une boutique montpelliéraine de jeux. Des expositions, etc., la conférence et un petit tirage de loto à la fin de Tombola. Voilà. Ah, super. Bravo. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette convention de partenariat? Unanimité. Merci beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup. Alors, maintenant... L'association Idéocène est donc notre partenariat pour le festival Les Temps Suspendus. Alors, je continue. Donc, c'est la 3e édition que Les Temps Suspendus donc, se déroule sur notre commune. Pour rappel, un grand succès dès la première édition de ce festival
qui fait honneur à la musique du monde et au jazz, et qui a vraiment rencontré son public immédiatement, puisque dès la première édition, ben, ça a été complet. Donc c'est une proposition, je vous le rappelle, gratuite pour la population, qui se déroule en fin d'été pour un peu adoucir, atterrissage en douceur avant la rentrée, très familiale, avec des partenaires locaux, voilà, et qui a, depuis la première et la deuxième édition, recueilli entre 500 et 700 spectateurs. Voilà, tout public, famille, touristes, habitants de la métropole, et bon, voilà. Donc là, cette année, au programme, un petit changement par rapport à l'an dernier et l'année d'avant. Cette fois, ça se passe sur un seul week-end, le samedi et le dimanche, avec donc le samedi après-midi, sous la pinède de Béranger de Frédol, donc juste derrière nous, un groupe brésilien pour les enfants, Caramel et Cachichi, puis des animations pardon, de capoeira. Donc voilà, dans cet espace-là, avec toujours des propositions. Les jardins de Costebelle, par exemple, sont partenaires à nouveau. Voilà, donc ça, c'est pour le samedi. Le dimanche 28 août, ça se passera au parking du Pilou, avec un petit travail en partenariat avec le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, des promenades nature, donc, ils organisent une jauge un peu réduite de 30 personnes, de départ, 9h30-11h, donc sur inscription, et en alternance, donc, un travail naturel, une balade naturelle, et des interventions de pros de la danse, de sorte de... deux danseurs qui sont sortis de la compagnie Epsé Danse, pour ceux qui connaissent, et puis un musicien algérien aussi. Donc voilà, des petites balades, ça c'est le matin. Et puis l'après-midi à 17h, le festival proprement dit, devant la péniche, parking du Pilou, comme l'an dernier donc, avec Shérif Ba, alors ça c'est une proposition sénégalaise, et le grand ensemble Philos, Grèce et Kurdistan, voilà, pour voyager un peu. Et donc, à nouveau, food truck et partenariat avec les jardins de Costebelle. Et on vous y attend nombreux, aussi nombreux que l'an dernier. Merci beaucoup. On va se régaler. Alors, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des questions d'abord, des remarques? Non? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette convention avec l'association Idéocène? Tout le monde? C'est parfait. Merci beaucoup. Et puis on continue dans la culture encore avec Olivier Gache qui va nous parler du festival Jeunesse en cours. À toi. Tout à fait. Merci Madame le Maire. C'est notre le festival de Cannes est fini, ben notre festival de Cannes à nous commence. Cette délibération, on va la présenter à deux voix avec Madame le Maire. Moi, je ferai. Tu me fais peur. Parce que Madame le Maire est particulièrement attachée à tout ce qui touche à la jeunesse et en particulier au parcours pédagogique artistique. Et donc moi, je ferai un petit bilan et Madame le Maire nous parlera de qu'est-ce qui se passe cette année et des prospectives. Donc, on est en train de parler ici de la convention de partenariat avec l'association Atelier Cinéma Studio pour la deuxième édition du festival Jeunesse en cours. Le festival Jeunesse en cours... C'est un festival qui met à l'honneur la création de courts-métrages réalisés par de jeunes amateurs âgés entre 10 et 22 ans. Alors, je ne sais pas si on peut voir les photos de l'an dernier. En fait, ça a vraiment été un succès qui a dépassé nos espérances. Complètement. Complètement. Donc, quelques chiffres pour vous par rapport à l'an dernier, de la première édition en juin 2022. 191 films avaient été reçus pour 16 films sélectionnés et une jauge pleine, c'est-à-dire 216 spectateurs. Et avec vraiment un double intérêt pour les enfants, qui était à la fois le fait de se confronter dans le sens où c'était un festival et il y avait une compétition, mais aussi de pouvoir voir un certain nombre de films et pouvoir un peu les disséquer, pouvoir aussi être valorisé dans ce parcours de création. Et il faut quand même dire aussi que l'an dernier et cette année a été financé par la ville via le... Hop là,
J'allais dire le club ado, mais c'est pas le club ado. Non, c'est le centre de loisirs. Le centre de loisirs, merci. Un stage d'une semaine avec l'association Black Lion pour confectionner des films. Non. Et il s'avère qu'en plus, c'est le film vainqueur de l'an dernier. Non, mais c'est bien le club ado. C'est bien le club ado, ok. Autant pour moi. Pour moi aussi. À vous, Madame le maire, cette année. Alors, t'as oublié de dire que l'année dernière, le président ce jury, du jury de ce festival, je vais y arriver, donc le festival de Villeneuve, voilà, donc c'était... Monsieur Dreyfus, Jean-Louis Dreyfus, mais c'était pour t'en laisser un peu. Oui, d'accord, c'est gentil. Jean-Claude Dreyfus, que, en général, on s'en rappelle parce qu'on l'a vu dans Delicatessen, c'est lui qui faisait le boucher... meurtrier, voilà, on va dire ça. Donc cette année, ce festival sera présidé par Francis Perrin, alors peut-être plus connu du grand public, à travers des films, disons, de comédie, mais en fait c'est surtout un homme de théâtre, et un acteur, et un réalisateur, enfin un metteur en scène aussi de théâtre. Donc, voilà, c'est une grande joie de l'accueillir maintenant, enfin cette année, lui. Je compléterai ce qu'a dit Olivier pour vous montrer que cette année, le festival prend encore plus d'ampleur puisqu'on a 18 films sélectionnés. On en a reçu 366. T'as dit combien pour l'année dernière ? 191. Voilà, 366. C'est énorme, énorme. Et cette année encore, nous aurons 8 membres pour le jury des plus jeunes, qui sera composé, enfin oui, qui concerne les collégiens et les lycéens. Et nous aurons aussi 8 membres pour le jury des adultes, composés que de professionnels du cinéma, en dehors de moi d'ailleurs, puisque je serai au jury et je ne suis pas une professionnelle de cet art-là. L'année dernière, par exemple, nous avons compté en dehors de Jean-Claude Pieplu, des enseignants du cours Florent. Qu'est-ce que Dreyfus. J'ai dit Dreyfus, oui, pardon. Dreyfus, pardon. C'est pas du tout drôle. Hein. Oui, oui, ouais, c'est Shadok. Et donc, voilà, il y avait dans le jury des enseignants du cours Florent, et voilà, des artistes aussi, des acteurs. C'était un très beau moment, et c'était surtout un très, très beau moment, parce que Le théâtre, le centre culturel ont été remplis toute cette journée-là de jeunes. Donc j'imagine qu'ils vont être encore plus pleins de jeunes cette année. Donc je me réjouis d'être là. Maria Alice. Oui. Il faut quand même rappeler que l'idée est partie de notre merveilleux professeur de mathématiques du Collège des Salins, M. Philippot, qui pendant des années a animé l'atelier cinéma au Collège. Donc, continue, un grand merci. Oui. Oui, mais je crois qu'il n'est plus au collège. Il est à Clemenceau. Depuis cette année. Ouais, je crois, à vérifier. Ah, d'accord. Voilà. Non. Non, 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 non. Qui a dit non ? C'est Olivier. Il est au lycée. Voilà, bon, bref. Mais encore merci à lui pour tout ce qu'il a fait toutes ces années et ce qu'il continue à faire pour nos gamins. Voilà. C'est de très grande qualité dans la pédagogie et dans le résultat. C'est vraiment... C'est exceptionnel comme travail. Et c'est lui qui, pour beaucoup, porte avec nous ce festival, bien sûr. Hein, bien sûr. Et donc, je vous invite à essayer d'avoir une place. Alors, ça ne va pas être évident parce que c'est déjà bien plein. Vous serez surpris par la qualité des productions. C'est vraiment assez bluffant. C'est ce que m'a dit Jean-Claude Dreyfus. L'année dernière, il m'a dit, des festivals courts-métrages, j'en fais plein. Et puis bon, il a un franc-parler assez de notoriété publique. Mais lui, en général, il y a beaucoup de... Voilà. Mais là, franchement, il n'y a que des bonnes propositions. Donc ça sera pareil cette année. Et donc, ça se déroule le 17 juin, ici, au Centre culturel et notamment dans le théâtre. Merci beaucoup, bravo. Alors, donc, du coup, tout simplement, nous devons conventionner avec l'association portée par M. Philippot, je le rappelle, Atelier Cinéma Studio. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Merci beaucoup, encore une fois.
Alors, nous continuons avec Olivier Gache pour une convention de partenariat avec un de nos artistes locaux. Exactement. Oups. Donc, c'est une convention de partenariat avec Jérémy Garcia. Donc, dans le cadre de la politique culturelle municipale et notamment de la dynamisation et du rayonnement de la cité, on vous propose un partenariat avec l'artiste Oups. Pour rappel, c'est la troisième année que nous menons cet exercice. Donc la première année, c'était une œuvre de Dominique Doré qui est située devant le centre Béranger de Frédol. La deuxième année, c'était Haute B via l'association Incartade. Et donc cette année, évidemment, nous est apparu l'artiste Oups. Alors il y a peut-être même une photo. Alors attention à la persistance rétinienne, ça, c'est coloré. Cette année, en plus, Oups nous propose deux œuvres, à savoir une œuvre réalisée par lui en peinture. Alors peut-être que vous reconnaîtrez ce mur. Ce mur, c'est un des murs qui monte à l'école primaire Boussinet. Celui par l'entrée Covid, comme on l'appelle. Donc qui est un mur qui est hyper intéressant. C'est l'impasse qui longe. C'est l'impasse qui longe l'école, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est un mur qui est hyper intéressant parce que justement, il est à la fois caché et quand on passe par là, on est obligé de le voir. Et donc, il nous propose deux œuvres sur un questionnement qui pèse vraiment sur notre ville, à savoir la question de habiter, l'habitat habité. Et donc, son œuvre se pose la question de l'habitat. Et en plus, il propose de réaliser une œuvre collective avec des habitants en faisant travailler l'EHPAD, l'école, la prison, les AT et la médiathèque. Et pour le coup, la question d'habiter, et le Prada aussi, je crois. La question d'habiter, quand on parle d'habiter à l'intérieur d'un Prada, quand on parle habiter pour la question des prisons, quand on parle habiter pour un ESAT, c'est hyper intéressant et je pense que les propositions seront hyper riches. Et cette proposition-là serait une proposition éphémère et on cherche encore un mur. Lui aimerait bien produire ce mur donc éphémère en collage dans la Grand Rue. Ah oui, voilà. Effectivement. Donc il nous faut un mur en fait. Donc il nous faut un mur. D'accord. Donnez-nous un mur. Bah, super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Vous avez des questions pour cette présentation alléchante encore une fois. Olivier Nogues. Oui, j'avais juste une petite question. Est-ce qu'on n'a pas de contraintes particulières avec les ABF, notamment pour les couleurs sur le mur ? Tout à fait. Bon, on n'est que dans le périmètre, c'est pour ça. Bien sûr. Alors précisément, on a déjà un agent qui est sur cette question-là. Il est probable que la question du nuancier de couleurs ne passe pas. Oui. Mais... on espère quand même, vu la situation du mur en question et vu la patte artistique de Oups, qui est quand même, voilà, c'est très marquant, c'est très coloré, on aimerait bien que ça passe. À bon entendeur. C'est entendu. D'autres remarques ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour cette convention avec Oups, notre Villeneuve artiste ? Merci beaucoup tout le monde, c'est super, parfait. Alors nous changeons complètement de sujet et c'est Léo Beck qui présente donc la délibération d'une acquisition de parcelles. Alors il s'agit d'une parcelle aux quatre cantons qui se situe près du Mas Crespi, donc ce n'est pas une préemption, c'est une acquisition amiable. Le propriétaire, M. Roustan, est venu à un rendez-vous urbanisme pour présenter son souhait de vendre. Il a été informé du prix au mètre carré de la parcelle qui est de 1,20 € par les services urbanisme. Il a ensuite accepté une acquisition par la commune. Donc tout s'est fait sans aucun problème avec ce monsieur. La parcelle fait 1782 mètres carrés pour un montant total de 2138,40 €. Et donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour l'acquisition de cette parcelle. Merci. Je précise juste, je crois que tu ne l'as pas dit, qu'on est toujours à 1,20 € le mètre carré.
Oui, pardon, j'ai oublié de dire que c'était une parcelle en zone agricole et que, donc, comme depuis 40 voilà. ans, la commune exerce son droit de préemption quand il est nécessaire ou son acquisition amiable pour préserver ses terres. Oui, et ce qui permet d'empêcher la spéculation sur ces terres et de maintenir 1,20 € du mètre carré. Bon, pour vous, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour cette acquisition de parcelles ? Pardon, un contre, bien sûr. C'est bon ? Merci. Alors maintenant, un autre sujet, mais voilà, Marie-Alice, qui est élue de la région, vice-présidente de la région, va s'absenter pendant cette délibération, puisqu'elle implique la région, effectivement. Et donc, on y parle du pôle d'échange multimodal, ou autrement dit, du futur de notre gare. Voilà, à toi, c'est Thierry. Le futur de l'évolution de notre gare. Donc, il s'agira d'approuver la convention de financement des études préliminaires pour la réalisation d'une passerelle et de la mise en conformité des quais de la gare de Villeneuve-lès-Maguelone. Donc, cette convention est issue de la volonté de la municipalité actuelle de développer les mobilités douces et le transport en commun. Et c'est ce qui nous a fait a poussé à solliciter les différentes parties prenantes pour déboucher cette convention, pour déboucher sur cette convention. Elle concerne donc, en tant qu'autorité organisatrice des transports sur la région l'Occitanie, pour le développement. En plus, ils font du développement des pôles d'échange multimodaux un chantier de priorité d'ici à 2030. En deuxième lieu, il y a évidemment Montpellier Méditerranée Métropole, qui, dans le cadre de la réalisation du schéma directeur de l'étoile multimodale, est partie prenante pour l'aménagement de ce pôle d'échange multimodal. Et il y a la ville de Villeneuve, dont j'ai présenté les arguments qui nous poussaient à conventionner, et le maître d'ouvrage qui est donc SNCF Gare et Connexion en tant que maître d'ouvrage, donc, puisque c'est eux qui sont propriétaires de l'ensemble des installations techniques. L'objet de cette convention consiste à un certain nombre d'éléments techniques, donc répertorier les propriétaires fonciers dans le secteur de la gare, les différents concessionnaires, les différents réseaux qui y passent, les différents relevés topographiques, relevés de réseaux, relevés d'amiante, enfin tout ce qui concerne les diagnostics préalables, effectuer un planning prévisionnel, un budget prévisionnel et définir un périmètre opérationnel sur cet aménagement. Ça concerne l'objet. Ensuite, on a évidemment la partie financière, puisque ça concerne donc une étude qui est évaluée a priori à 80 000 euros. La région Occitanie participerait à hauteur d'un tiers, hein, 33,33%, soit 26 664 euros sur 80 000. Montpellier Métropole à hauteur de 50,66%, soit 40 528 euros. Et Villeneuve-lès-Maguelone à hauteur de 16%, soit 12 800 euros. Voilà pour ce qui concerne la partie budgétaire. La durée des études, à partir du moment où le dernier signataire aura apposé son accord, sera de 5 mois, à l'issue duquel donc on aura une étude préliminaire sur les aménagements. Les aménagements consistent à construire une passerelle qui permettrait de relier les deux quais en toute sécurité. Elle serait située à l'ouest de la gare, donc accolée au pont actuel qui passe au-dessus de la voie de chemin de fer sur la RD 185. Voilà. Aménager des parkings côté nord de la gare, hein, toujours à proximité de cette nouvelle passerelle-là, puisqu'une partie des terrains
appartiennent à la SNCF. Et donc, ça nécessiterait de ce fait un rallongement des quais et des cheminements pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder au transport en commun, au train. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Que t'as tout dit. Oui. Donc, il est demandé à la madame. Est-ce qu'il y a des questions ? Olivier Noguès et puis Serge Dessaigne. Oui, merci madame le maire. Du coup, je n'ai pas pu être présent à la commission dans laquelle on a débattu de ce sujet. Et justement, j'ai des questions, notamment qui fait partie du comité de pilotage ? Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, en mairie, vous voulez dire ? Dans la convention, il est prévu un comité de pilotage. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas comment est composé ce comité de pilotage. Il est constitué des quatre institutions citées, en fait. C'est ça. Donc le représentant de chaque institution. Tout à fait. C'est ça. C'est à la Donc page moi 9, pour la mairie. C'est à la page 9 de la convention, 8 de la convention. Donc, physiquement, ça sera madame le maire qui sera... C'est déjà le cas. Non, mais c'est juste une question. Oui. Après, pourquoi la commune paye 16% d'un aménagement qui est propre à la SNCF et que la SNCF ne participe pas du tout à ses études préliminaires ? Aujourd'hui, on va payer 16% études préliminaires. On ne sait pas pour la réalisation, si la commune va être obligée de payer aussi 16% pour les études d'exécution, et qui paye les travaux après, à l'issue, qui va payer tous ces travaux-là. À aucun moment, je vois apparaître la SNCF, sachant que ça sera quand même l'organisme qui va piloter tout ça. Donc, j'aurais aimé connaître un petit peu les explications par rapport à tout ça. Oui, alors, ils ne pilotent pas vraiment, ils sont maîtres d'ouvrage. C'est le copil qui pilote, par définition. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie des aménagements qui se situe sur la commune de Villeneuve-les-Maguelones. Il n'y a pas la partie accès, par exemple, c'est sur la commune de Villeneuve. C'est pour ça qu'on est partie prenante, d'une part. Oui, et puis c'est sur la commune de Villeneuve et ce n'est pas un équipement ferroviaire, à proprement dit, en fait. Oui, et d'autre part, on a voulu aussi montrer notre volonté à faire en sorte que ce projet de pôle d'échange multimodal, qui était déjà inscrit au SCOT, avance. On a d'ailleurs, je l'ai rappelé en préambule, on a été moteur là, depuis 2 ans pour accélérer les réunions avec les différents partenaires, de telle façon à ce que ce projet débouche. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu démontrer notre volonté à le faire avancer vraiment. Ça ne préjuge absolument en rien du tout de notre investissement futur dans les études... dans les études d'aménagement futures. On parle quand même de l'allongement des quais, donc ça c'est quand même un équipement propre à la SNCF, donc on va faire des études pour l'allongement du quai, donc, et à aucun moment je vois que la SNCF est partenaire de ça financièrement. Oui, alors là vous parlez des conséquences. Hein. À la base, ce que l'on veut sur ce pôle d'échange multimodal, c'est qu'il soit accessible à pied, en vélo, qu'on puisse y s'égarer. Et une des conséquences, en effet, c'est le rallongement des quais. Mais il n'y a pas que ça. C'est presque la partie la plus simple à réaliser, puisqu'ils sont en site propre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la gare, mais en tout cas, il est assez facile de rallonger des quais. En plus, les quais sont rallongés parce qu'il y a un changement de type de véhicule qui vont nécessiter une augmentation de la longueur des quais. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment tout ce qu'il y a en périphérie, hein, l'aménagement et l'accès. Et donc, par contre, le dernier point, c'est qui va payer tous ces travaux ? Est-ce que la commune va être obligée de payer aussi ces aménagements ? Et à quelle hauteur ? On n'est pas du tout dans cette phase de... Ben oui, on n'est pas du tout, puisqu'on n'a absolument aucune idée de ce que ça peut représenter en termes d'aménagement. Je ne parle pas en termes financiers pour l'instant, puisque les conséquences, on ne les connaît pas. Je ne sais pas si vous avez lu la note, il y a des relevés de topo, par exemple. Les relevés de topo vont permettre de déterminer l'ampleur des travaux qu'il y aura à mener pour l'accès en termes de PMR, par exemple. Donc pour l'instant, ce n'est pas vraiment le sujet.
Le principal, et c'est pour ça que la mairie s'est vraiment engagée, c'est d'enclencher ce PEM. Voilà. Ouais. J'entends bien. Serge, vous voulez compléter. Moi, la question, c'est aujourd'hui, on va faire une étude, la commune va payer 16% de ses études, après, il va y avoir un budget prévisionnel qui va être établi. Sur ce budget prévisionnel, est-ce qu'il est prévu que la commune en prenne une part et quelle sera sa part? Eh bien, écoutez, la prochaine fois, enfin, certainement si ce projet, enfin si cette solution est amenée face à la mairie, j'espère que vous serez en commission pour en débattre. Oui. Parce que ça, forcément, ce sera débattu en commission. Et je rajouterai quand même qu'il paraît assez normal qu'une commune participe quand il s'agit d'améliorer l'accès à un moyen de transport. Et ces aménagements qui sont à l'étude, là, ils concernent bien l'accès des Villeneuvois au train. Et la SNCF, en fait, quel est son intérêt là-dedans? Pas grand-chose. Mais nous, oui, on y a un intérêt très fort en tant qu'élu et en tant que citoyen. Serge? Oui. Il y a eu des réponses apportées sur la question de la participation d'une commune. En gros, depuis environ une quinzaine d'années, la question de la desserte de Villeneuve se pose. Plein d'associations, d'élus de tous bords se sont battus pour dire il faut qu'on développe un transport en commun au-delà des bus et une rotation. On sait qu'il y a une voie à grande vitesse qui va être mise en circulation, qu'elle aura lieu en 2034. Et voilà. Mais si on veut pouvoir avoir des travaux, une accessibilité handicapée, parce que la question, elle est là, sans avoir à traverser les voies, si on veut avoir un pôle d'échange multimodal qui permette de limiter les flux des voitures qui viennent tous les matins de Cournon-Terral, Fabrègues, etc., pour pouvoir avoir accès au train. Il faut pouvoir faire cette étude. Or, aujourd'hui, le travail qui a été mené par Véronique Négret, les élus métropolitains, dont je fais partie, et c'était de dire, au-delà des transports doux et vélos, il faut que ce pôle multimodal, il avance. Et donc, qu'on commence à dire, on fait l'étude, mais on va réaliser. Parce que sinon, quand il n'y aura plus les trains à 32 vitesses, si les trains ne peuvent pas s'arrêter, si les conditions du service ne sont pas acquises, il n'y aura personne qui ira ni se garer, ni prendre les trains. Donc aujourd'hui, ça a été très clair. Est-ce que faire intervenir la région parce qu'elle a le plan en rail, c'est important, et de faire en sorte que le vice-président en charge soit à Villeneuve pour discuter de ça. Que la métropole soit présente et dise « oui, on finance », parce que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Bon, nous, on bosse à la métropole, ben, ils financent à 52,66. La question pour nous, c'était de dire « nous, on veut être partie prenante pour les décisions qui vont être prises ». Complètement. Et si on ne participe pas financièrement, on va nous dire on fait ce qu'on veut. Ou on peut dire non, c'est pas la peine d'avoir un ascenseur pour les personnes handicapées, pour les personnes à mobilité réduite, pour les mamans avec leurs enfants, pour les gens qui ont eu un accident de la vie et qui peuvent, à un moment donné, sur un mois, deux mois, hein, donc on participe. Ensuite, la question du financement de l'ouvrage, c'est un autre combat dans lequel il va falloir mettre en place la participation de l'État, parce que c'est Réseau Ferré de France, parce que ça sera un outil au service de Réseau Ferré de France. Alors, j'espère que d'ici là, on n'aura pas complètement contractualisé avec des privés pour nous dire que c'est pas eux qui doivent payer, parce que sinon, ça sera de nouveau aux contribuables de payer. Donc, voilà. À ce moment-là, Madame le maire vient de vous le dire, on aura les éléments d'un projet, on a des esquisses, on a eu une discussion sur pas incliné, pas incliné, ou est-ce qu'on achète les terrains à côté pour faire un parking? Est-ce qu'on fait modifier les questions du SCOT, etc., et du PLUI pour pouvoir avoir un parking et ne pas faire d'imperméabilisation? Toutes ces questions-là, elles sont encore à poser. Financièrement, peut-être qu'il faudra que la commune achète des terrains, parce qu'ils ne sont pas à nous.
La descente est à nous, mais le reste, ce n'est pas à nous. Donc, cette question, elle va amener à... Ah, on a une possibilité, comment on le finance ? Avec la métropole. Et là, il y aura... Je pense qu'on aura une oreille attentive à la fois de Julie Fraîche, mais aussi du président. Mais c'est à ce moment-là que région, État, Réseau ferré de France et la commune nous aurons à nous pencher sur le projet et sa réalisation avant 2034. Merci. Olivier Noguès. Donc, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas du tout contre ce pôle d'échange multimodal, et bien au contraire, on est tout à fait favorable à ça. Ce que je veux dire, une chose par contre, M. Tanguy, c'est que je ne suis pas venu en commission, mais vous ne m'avez pas donné la réponse. Et en commission, vous n'auriez pas donné non plus la réponse, puisque vous ne la connaissez pas. Aujourd'hui, la question du financement, vous n'êtes pas capable. Et ce n'est pas en commission que vous auriez pu me dire à quelle hauteur la commune interviendrait sur les travaux. C'est tout. C'est juste ce que je voulais dire. C'est pas ça qui vous a dit, Thierry Tanguy. Mais je vous dis que... Comme on ne connaît pas le montant des travaux pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, on peut pas savoir à quelle hauteur on va s'investir. On ne sait pas. Ça, on le verra plus tard. Laissons d'abord, engageons le processus avec ces études préliminaires, parce que c'est la procédure qui est mise en place dans les travaux de ce style-là. Faisons ça déjà, et on verra dans 6 mois à peu près, on verra ce qu'il en est. Faisons ça, je réponds. Faisons ça déjà, effectivement, tu as raison, parce qu'à un moment, quand même, quand on est une collectivité, une commune, qu'on veut améliorer les transports en commun pour ses citoyens, il faut s'engager, pardon, quoi. Mais à un moment, on ne peut pas attendre toujours que ce soit les autres qui financent. Non, il faut s'engager, il faut être proactif. Et l'objet, ce financement, cette clé de répartition de financement, elle a été discutée entre les différents acteurs du COPIL. J'y étais. On est parvenu à cet accord-là assez facilement, évidemment. Mais nous, on veut être proactifs sur la question des transports en commun. Donc, elle est bizarre, votre question, quand même, à un moment. C'est quoi ? On attend toujours que ce soit les autres qui fassent. Si on attend toujours que ce soit les autres qui fassent, il ne se passe rien. Il faut prendre la charrue. Donc, je dis n'importe quoi. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Tiens, voilà. Et donc, il faut foncer un peu, quoi, quand même. Il y a un moment. Financer, c'est aussi s'engager. Et c'est aussi avoir la crédibilité autour de la table de négociation. Hein. Attention. Hein. C'est important. En fait, elle est bizarre, votre question, en fait, finalement. Elle est toute simple, c'est pas... Je posais la question pourquoi la SNCF ne participait pas aux études préliminaires. Vous avez répondu. Après, je ne parle pas des études préliminaires qu'on finance. Vous nous avez donné une réponse. Je posais après la question qui va un peu plus loin, qui est qui va financer les travaux et à quelle hauteur ? Combien la commune risque d'avoir en pourcentage ? Est-ce que c'était les 16% aussi non. qui allaient être repris pour le financement des travaux ou pas ? Je crois que c'est marqué dans la convention que ça ne présage absolument pas du tout au fait que le pourcentage soit répertorié, répercuté sur les études à suivre et sur les travaux à suivre. C'est l'étape d'après. C'est tout à fait. Les études, elles sont là pour connaître quelle va être la nature, l'ampleur des travaux, comment on va faire et s'ils sont faisables, déjà peut-être au départ, tout simplement, s'ils sont faisables. Et puis, c'est les travaux aussi qui vont définir ce qu'il y a à faire et donc le montant des travaux. Et du coup, on rediscutera à ce moment-là de la façon dont se répartit les coûts. Et là-dessus, on va aussi réfléchir tout de suite, et d'ailleurs, on a commencé à le faire, sur où on va aller chercher les subventions. Parce que quand on a un projet, c'est une des premières questions qui doit arriver. Où on va chercher les subventions ? Et on va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Et juste la date dans la convention qui n'est pas bonne aujourd'hui, puisqu'elle est au 7 juillet. Rendue au 7 juillet. Les études doivent être rendues au 7 juillet, dans la convention. Non. Regardez le tableau qu'il y a dans l'annexe. Je vais vous le dire. Alors relisez-la correctement, mais il y a marqué rendu des études au 7 juillet. Peut-être. Alors peut-être des erreurs. Vous savez, c'est qu'un projet de. Oui, c'est possible. Mais vous avez en annexe 1A le planning de l'étude préliminaire avec les mois de l'année 2023 et 2024 avec les différentes phases, signature de la convention.
acquisition des données, réalisation de l'étude préliminaire et validation du titre préliminaire qui est prévue pour février 2024. Elle est où la date dont vous, à laquelle vous faites référence, Olivier ? Page ? Ah oui, non, mais vous dites quelle date ? C'est délibération du Conseil régional Occitanie du 7 juillet. C'est de ça dont vous parlez ? C'est la... Ce qui est écrit, on a écrit... que ça débuterait quand toutes les voilà. entités dont nous, on la signe maintenant, hein, parce qu'on n'a pas pu le présenter avant, etc. Donc, elle doit être faite dans les 5 mois à partir de la signature de la convention. Dans les 5 mois. Et elles seront présentées, les études, c'est-à-dire, ce qui est présenté, ce n'est pas le résultat des études, c'est le contenu spécifique des études qui seront présentées en juillet 2023, au comité de pilotage. Mais avant, il faut que le comité de pilotage soit mis en place. Il fallait que l'on signe. On est en train de dire, par délibération, qu'on va signer, qu'on permet à Madame le maire de signer. Donc, il y aura 5 mois pour faire les études, pour être validées en janvier 2024. Et elles seront présentées, le cadre des études sera présenté en juillet. Je refais qu'une lecture sémantique de ce qui est écrit. C'est bon ? Je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour cette convention ? Unanimité. Merci beaucoup. Alors, nous changeons de sujet. Nous passons à la modification du tableau des effectifs. Et c'est Arnaud Fleury qui va la présenter. Arnaud, un micro, s'il vous plaît, pour Arnaud. Tu peux en lâcher un, s'il te plaît, Léo. Bonsoir, merci. Donc, je vous présente une petite modification du tableau des effectifs, pas grand-chose. Une création de poste, un attaché principal. Alors, ce poste est créé pour accueillir notre nouveau chef du service de communication suite à une demande de mobilité du chef actuel. Voilà, tout simplement. Et pour une fois, des suppressions de postes, 12 suppressions de postes. Alors, je vous rassure, on n'a pas viré 12 personnes. Voilà, c'est juste un nettoyage du tableau des effectifs. C'est des postes qui n'étaient pas pourvus depuis longtemps. Et du coup, histoire d'avoir un tableau qui ressemble au plus, qui colle au plus près de la réalité, voilà, on supprime ces postes du tableau. Il faut le faire de temps en temps, petit toilettage. Voilà, donc c'est juste ça. En fait, c'est des postes dont on sait qu'on n'aura pas besoin dans un avenir oui, proche. A priori, non, pas pour c'est l'instant. Pas la peine de les garder au tableau des effectifs. C'est bon pour tout le monde ? Je traîne un peu parce que j'attends qu'elle revienne. Elle arrive quand, la nouvelle personne qui va prendre... Voilà, c'est ça, le 12 juin, donc nous aurons une nouvelle personne pour assumer la direction de la communication. Voilà, voilà. Elles vont arriver. Et donc ensuite, nous verrons. Ça y est, vous pouvez venir, s'il vous plaît. On vous attend pour voter. Donc, vous voyez, le tableau des effectifs, c'est toujours un peu long. Et là, ça l'est particulièrement. Non. Et donc ensuite, ce sera Léo qui présentera. Bon, on va passer, si tu veux, à la présentation, comme ça on reviendra sur le vote après. Donc la régie droit de place, donc on change un petit quelque chose sur la question des tarifs du marché. Vas-y. Au conseil municipal du 30 janvier, on avait délibéré sur l'ensemble de la régie droit de place. Il avait été proposé un abonnement pour le marché du mercredi, du vendredi et du dimanche. Un abonnement annuel avec donc une tarification annuelle avec un seul paiement. Suite à ça et à sa mise en application, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté qu'on avait à mettre en œuvre vis-à-vis des commerçants. C'était que demander à un commerçant de régler une somme énorme en une seule fois pour l'année, ça nous, pour nous, était impossible. Le syndicat des commerçants non sédentaires nous a contactés pour nous faire la même remarque. On l'a rassuré pour lui dire qu'on était en train de réfléchir à une solution pour rendre l'abonnement et le paiement au trimestre.
Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour acter cette modification, avoir un abonnement et un paiement au trimestre. Et l'engagement des exposants sera annuel par le règlement intérieur. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Je n'ai pas oublié qu'on n'a pas voté, vous inquiétez pas. Donc on va voter cette délibération, on reviendra en arrière. Donc pas d'intervention, je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour donc, cette régie sur le marché, à propos du marché ? Unanimité, merci beaucoup. Donc je reviens en arrière et je mets au vote la modification du tableau des effectifs. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Et on continue. Donc, on passe maintenant avec la création de ce qu'on appelle une autorisation de programme crédit de paiement, APCP, dans le jargon comptable et financier, pour la réhabilitation de l'école Rousseau et la désimperméabilisation de la cour qui va avec. Et c'est Corinne Poujol qui nous présente cette délibération. Voilà, comme l'a dit Véronique, c'est un gros chantier qui va pas tarder à démarrer, puisqu'il est prévu de commencer dans le courant de l'été. Ce projet est maintenant finalisé et le maître d'œuvre a précisé ses estimations. Nous sommes donc en mesure de créer sur notre budget principal l'autorisation de programme pluriannuel pour financer ce projet. Je précise que cette autorisation de programme, nous devons l'adopter avant le premier engagement. Elle est maximisée afin de couvrir toutes les dépenses et de sécuriser le projet. Donc, elle se monte à un montant global de 4 950 000 euros. Il s'agit du montant maximum sur lequel nous avons encore des possibilités de négociation. Et c'est un montant donc qui s'étale sur 3 années. Pour l'année 2023, 1 850 000 euros. Pour l'année 2024, 2 400 000 euros. Et enfin, en 2025, 700 000 euros. Le coût de la maîtrise d'œuvre est estimé à environ 400 000 euros. Tout à fait. Et je dois signaler que nous avons sollicité tous les organismes possibles pour obtenir des subventions sur ce projet. Pour l'instant, nous avons 2 réponses positives. Celle de la métropole qui nous accorde une subvention de 200 000 euros. Et ça vient de tomber aujourd'hui, une subvention du Fonds vert pour la rénovation énergétique du bâtiment qui va se monter à 489 000 euros. Ouais, voilà, nous attendons d'autres résultats et nous espérons avoir d'autres subventions. Je vais compléter un petit peu. On a fait 7 demandes de subvention et pour l'instant, on a ces 2 réponses positives. On a eu 2 autres réponses qui sont négatives, mais qu'on va essayer de retravailler quand même. On va s'accrocher. Et donc, le fonds vert auquel tu fais référence, c'est bien sûr l'État. Je précise parce que c'est important de... Oui, ça fait partie des fonds pour la relance tout à fait. Verte. Et je voulais rajouter... faire un petit point sur les travaux de cette école, donc ils vont commencer cet été, bientôt là, ça va démarrer. Donc on a reçu toutes les offres, analysé et entamé les négociations avec les entreprises. Donc je vous rappelle que cette école, elle est vieille, elle est très vieille, pour partie 40 ans, pour l'autre partie, c'est encore pire, 50 ans. Donc, il était absolument nécessaire de la retravailler, de la rénover pour la mettre en conformité avec les règles de fonctionnement qui prévalent aujourd'hui dans une école, par exemple sur la question des circulations, sur la question de la disposition des classes et puis surtout sur la question de l'acoustique à l'intérieur. C'est juste affreux, l'acoustique dans cette école. Je cite ces exemples-là, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Et puis, c'était une école très énergivore, ce qu'on appelle une passoire thermique. Donc, il était absolument nécessaire de travailler ce biais-là, ce côté-là.
la rénovation thermique. Donc évidemment, on a travaillé en ce sens pour forcer vraiment les efforts là-dessus. Et donc on a fait le choix, par exemple, d'une isolation par l'extérieur. Du coup, le bâtiment sera dans une coquille qui va le protéger, l'isoler du chaud et du froid. Comme un thermos, exactement, comme un thermos. Et donc, on a prévu aussi des panneaux photovoltaïques, financés d'ailleurs par le fonds vert dont tu viens de faire état. On travaille aussi sur un revêtement de la cour qui va être plus clair pour moins retenir la chaleur. Une végétalisation de la cour aussi, et puis des pergolas devant les fenêtres et les portes des classes qui va protéger de l'ombre, et même un patelage bois devant certaines classes pour justement encore atténuer la rétention de la chaleur, parce que le bois ne retient pas comme peut le faire le bitume par exemple. Et puis bien sûr, juste il y a une photo projetée. Ah oui, pardon. Ah super. C'est une vue de l'intérieur, et justement. C'est très bien qu'elle arrive maintenant, parce que j'allais faire un détour important par la cour. La cour de cette école est énorme. Elle fait, si je ne me trompe pas, 2700 mètres carrés. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Et donc, évidemment, on la retravaille dans deux optiques. D'abord, la désimperméabilisation et ensuite la renaturation. La désimperméabilisation, bien sûr, alors c'est toujours le premier argument qui vient, c'est celui de la diminution du ruissellement, donc des inondations, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la protection des milieux, bien sûr, parce que le ruissellement aboutit avec toute la pollution qu'il colporte, qu'il transporte dans les milieux. Et puis, il faut aussi que les eaux s'infiltrent dans les sols. Donc les revêtements qui seront posés seront des revêtements perméables et drainants, c'est-à-dire qu'ils sont sous la première couche visible. On aura en fait un système de gravier assez grossier qui vont permettre à l'eau de pénétrer, même si le sol est argileux. C'est une technique justement mise au point comme pour les territoires comme le nôtre. Et puis, on aura aussi donc une partie importante de renaturation. On va profiter du fait que nous avons des arbres et des arbres de belle taille dans cette cour pour, au pied de ces arbres, avoir des espaces de revégétalisation, de nature et de jeux en bois aussi, etc., qui vont permettre aux enfants, parce que c'est quand même le plus important finalement dans une école, c'est quoi ? C'est les enfants, hein, évidemment. Et cet endroit permettra aux enfants de toucher la nature, toucher les végétaux, toucher d'autres matières que du béton et du bitume. Et donc, on est très fiers de ce projet, je dois l'avouer, très très fiers. Donc voilà, donc oui, on est content de recevoir ces subventions et on est surtout content. Surtout, on en espère d'autres. Ouais. Bien sûr qu'on en espère d'autres. On vise au moins le million. Au moins le million, mais sûrement qu'on aura plus. On va continuer d'y travailler. Voilà. Oui, Olivier Noguès. Madame le maire, on est tout à fait d'accord avec vous sur le fait que cette école est devenue un peu obsolète et qu'il faut s'atteler à la rendre beaucoup plus agréable pour nos enfants. Je trouve dommage aujourd'hui que la CAO n'ait pas été réunis lors de l'ouverture de ces plis et lors de l'analyse. Autant j'ai été convoqué, moi, en CAO pour la prestation juridique, en CAO pour la restauration scolaire, mais pour un montant pareil de 4 900 000 euros, ne pas convoquer la CAO, j'aurais aimé savoir pourquoi on ne l'a pas fait, même si on n'atteint pas le seuil. J'entends bien qu'on n'est pas sur le seuil européen, mais on aurait très bien pu convoquer la CAO pour, justement, ou l'ouverture des plis et l'analyse des offres. Donc aujourd'hui, je constate que ça fait 4 950 000 qu'on demande de mettre de côté. Le dernier conseil municipal, je vous ai demandé à combien s'est levé le montant. On m'a donné 4 300 000. Oui. Et en tout début de mandat, quand vous avez commencé les études, on était à 3 800 000. Donc en l'espace de 2 ans, nous avons pris 1 million.
Alors, nous avons pris 1 million de plus pour ce projet. Je vous arrête, voilà. C'était 3,8 millions sans la désimperméabilisation qui se lève minimum à 350 000. 420 TTC, exactement. Oui, là, j'étais hors taxe. Et effectivement, donc, comme l'a précisé Corinne, donc on a pour inscrire... les crédits, on monte jusqu'à 4 950 000 parce qu'on prend une marge de précaution importante parce que les prix ont continué d'augmenter sur les marchés. En fait, on a expliqué la première hausse qui était due à l'inflation des matériaux suite à l'épidémie, au post-Covid et puis à la guerre en Ukraine. C'était dû aussi à une révision du projet en co-construction avec les parents, les enseignants et tout ça. Et puis là, comme je vous l'ai dit, c'est le montant maximum qu'on s'autorise à dépenser. On le réajustera chaque année. C'est vraiment la somme maximisée. On espère vraiment passer très en dessous. Oui, parce que ce fonctionnement en APCP, il fixe un plafond maximal à dépenser. À ne pas dépasser. Et si par malheur, la moindre chose nous oblige à être au-dessus, on ne pourra pas financer. Il faut prendre une décision modificative qui complique les choses. Par contre, si on ne dépense pas tout ce qu'on espère fortement, on réajuste simplement au moment du compte administratif. Oui. Olivier, juste par rapport à la CAO, c'est vrai, je n'ai pas percuté là-dessus, on aurait pu très bien, mais enfin bon, quelle est notre valeur ajoutée dans une CAO d'ouverture de puits de travaux? Je crois que tu connais très bien, oui, le DCE, il est DCE, à la limite, c'est en phase DCE qu'on pourrait vous inviter éventuellement, mais bon, il n'y a pas de collège là, mais l'ensemble des usagers qui étaient impliqués depuis la phase projet. Je vois pas trop l'intérêt. C'est pas obligatoire, c'est une formalité. Je sais que vous êtes pas toujours présent parce que c'est vrai que c'est un intérêt limité. Ouais, voilà. Après, ça reste transparent. Hein, vous savez, c'est complètement transparent. Toutes les CAO sur lesquelles j'ai été convoqué, j'étais présent. Donc c'est pas ponctuel. C'est toutes les CAO qui ont été réalisé, j'étais présent. Aujourd'hui, on parle quand même d'un très gros budget, d'un gros projet. Oui. Je pense qu'il aurait quand même été très pertinent de faire une commission d'appel d'offres, même si on n'atteint pas le seuil des 5 382 000 euros. On aurait pu, mais la prochaine fois, on s'interrogera. C'est vrai, tout à fait. Serge ? Je ne vais pas être polémiste, Olivier. 12 ans de mandat dans l'opposition, une commission d'appel d'offres, une, qui a été rejetée, qui a rejeté des travaux qui étaient prévus. Donc une seule commission d'appel d'offres sur deux mandats en 12 ans. Là, pour la première fois, il y a une APCP qui n'existait pas avant, qui existe dans la M57, qui donne un prévisionnel de dépenses, année par année. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est inscrit dans le marbre de notre budget. Avant d'avoir ces éléments, on ne pouvait pas le présenter en conseil. Aujourd'hui, il y a ces éléments. L'évolution dont tu fais état, il y a eu des réponses. Mais c'est intéressant de penser que, à des moments, comme pour tout à l'heure sur le rail, on voudrait être à la fin avant d'avoir commencé. Là, il y a une APCP dans le cadre de M57. On va être clair. Hein. Parlons franchement. Je n'ai jamais eu, à part une seule fois, sur deux mandats, c'est-à-dire 12 ans, de CAO. On est clair ? Donc aujourd'hui, faire des reproches, c'est un peu limite. Je les prends. Madame le maire vient de les prendre. Mes collègues viennent de les prendre. On fera en sorte d'avoir des CAO. Et ça sera dans la limite des capacités que nous aurons dans les limites budgétaires de CAO. Oui, Thierry, tu voulais rajouter quelque chose. Olivier, je pense que franchement, on était de bonne foi, hein, parce que c'est un projet qui a été mené de façon très rapprochée entre la maîtrise d'œuvre
enfin les archis, hein, c'est un groupe d'architectes, et les usagers. Je pense que c'était, y a pas mieux en termes de démocratie que de faire en sorte que ceux qui l'utilisent tous les jours, il y avait les parents d'élèves aussi, hein, les représentants des parents d'élèves, soient présents pour l'élaboration du projet, franchement. Après, c'est de la technique pure. Et on était, comme tu l'as dit, on était bien en dessous du seuil de la CAO. Bien en dessous. On est dans le cadre légal. Donc, on est dans le cadre légal, mais surtout, enfin, franchement, j'ai pas été remettre en question les prix remis par les entreprises. Enfin, si tu veux ma question, en fait, je te retourne une question. Quelle aurait été ta valeur ajoutée, la valeur ajoutée de votre participation s'il y avait une CAO ? Déjà de connaître les estimations qui ont été faites sur chaque lot, savoir s'il y a des dépassements ou si on est très en dessous des estimations, c'est déjà et important. Donc, hein. Et après, j'aurais aimé connaître les entreprises qui ont été retenues et sur quels critères, comme se fait un rapport d'appel d'offres, comme on les a eus sur la restauration scolaire, comme on a eu pour la prestation juridique. C'est tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est exactement ce que je viens de te dire. En fait, réellement, la partie constructive de ce dossier-là, elle se fait dans l'élaboration des critères. En fait, il serait beaucoup plus intéressant que vous travailliez avec nous éventuellement sur les critères de choix d'entreprise que sur l'analyse, puisque l'analyse est faite par rapport aux choix. OK. Bon, les choix d'entreprise et le montant, les choix d'entreprise et le montant auquel ils répondent, vous feriez quoi ? C'est quoi ? Et donc ? Donc ça dépasse, vous dites quoi ? C'est en dessous, vous dites quoi ? Lancer des lots, tout simplement. Mais oui, mais bien sûr, mais évidemment, mais on a un budget, on doit tenir un budget. Mais on sait le faire. Sur Béranger de Frédol, c'est ce qui s'est passé. On a relancé des lots parce que justement, on était au-delà du montant estimé par le maître d'œuvre. Bon, quoi qu'il en soit, on va arrêter cette discussion parce que nous sommes dans le cadre légal. Nous avons entendu votre remarque cependant. Et nous avons entendu aussi la remarque de M. Serge Dessaigne, donc, qui rappelle le passé. On n'a pas eu de projet à 4 millions, hein. Je m'excuse. Oui, oui, tout à fait. Il y a bien eu quand même un nouveau centre de loisirs, de maison des associations. Hein, et comment on a découpé les trucs pour faire avec des avenants, et comment on a eu des dépassements de marché. D'ailleurs, les cadres, ils ne sont toujours pas finis. Excusez-moi, mais au bout d'un moment... Je ne peux pas entendre des choses qui font croire à la population que tout a été net. Merci. Bien. Allez, je mets au vote. Qui s'abstient sur cette proposition de création d'APCP ? Qui s'abstient ? 2 ? Qui est contre ? Qui est pour ? Je vous remercie. Ensuite, donc, c'est Jérémy qui veut revenir avec... Merci Jérémy, merci pour les estivales. T'as pas le son. Si. C'est bon. Pour sa 7e édition, la ville de Villeneuve souhaite organiser des estivales, événements festifs, culinaires et assurant la promotion des viticulteurs locaux, qui rassemblera à nouveau les Villeneuvois et la population environnante dans un cadre unique entre mer et étang. Ainsi, tous les mercredis de l'été du 28 juin 2023 au 30 août 2023, à l'exception du mercredi 12 juillet, il sera possible de retrouver au programme de la musique une ambiance conviviale, des produits du terroir, des vins primés, mais aussi la découverte du parking du Pilou, aménagé dans un esprit guinguette, site sur lequel se déroulera cet événement. Pour cela, la commune a lancé un appel à projet afin de sélectionner le candidat qui sera chargé d'organiser et d'animer ces mercredis estivaux chaleureux, festifs et gourmands, privilégiant les intervenants locaux et des animations musicales de qualité. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat annexée à la présente décision avec le candidat retenu, le syndicat AOC Languedoc, et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention. Merci beaucoup. Alors, les estivales, vous savez de quoi on parle, et on a travaillé sur un conventionnement complet avec l'organisateur, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant notre arrivée à la mandature. Donc, je passe au vote. Qui s'abstient ?
Ah, pardon, excuse-moi, Léo, je suis désolée. En plus, tu m'as demandé d'intervenir. Mais il marche pas, celui-là ? Non ? Vas-y, Léo. Juste une information donc, sur les estivales. On a rencontré l'organisateur et il devrait, je dis bien il devrait car c'est à sa charge, y avoir des navettes entre le site et le parking des arènes et le parking de l'école Dolto pour tout éviter les désagréments de l'année dernière avec une surcharge de voitures et qui a conduit à la fermeture du parking. Merci de le préciser. Et je rajouterai qu'on reproduit ça à voir, puisqu'il s'agit d'un moment convivial. On reproduit ce qu'on a mis en place l'année dernière. Léo, hein ? C'est pas grave, je vais le dire. Les lundis de la Capouillère, donc, qui se passent sur la parcelle des anciens ateliers techniques, tous les lundis soirs de l'été, ça commence... le dernier lundi de juin pour se terminer le dernier lundi d'août, ça doit être ça. Voilà, merci beaucoup. Donc on en revient à cette convention de partenariat pour les estivales. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci pour cette unanimité. Et enfin, Dylan, à toi la parole, donc, pour nous parler de sport. Merci Madame le maire. Ça va être très fort. Alors, il s'agit d'une convention. Pardon. Bonsoir. Il s'agit d'une convention de mise à disposition des locaux et d'utilisation du centre aéré de la plage de Villeneuve-lès-Maguelone. Cette convention consiste à proposer une découverte pédagogique de la voile à des jeunes écoliers de Montpellier en juin et des jeunes des centres de loisirs en juillet et août. C'est un partenariat bien sûr avec le service des sports de Montpellier. Donc, le conseil municipal va délibérer. Pour autoriser Madame le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux et du site de la plage de Villeneuve-lès-Maguelone et autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci. Merci beaucoup, Ilan. Et je précise juste qu'en fait, c'est un renouvellement de conventionnement qui se fait tous les 3 ans. Donc pour nous, c'est la première fois, si je ne me trompe pas. Peut-être pas, non. Non. Si ? Si, c'est ça. C'est la première fois pour notre municipalité. Alors, je la mets au vote, cette convention. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci pour cette belle unanimité. Donc, le conseil municipal à proprement parler est terminé. Donc, je lève la séance. Je vous remercie à tous pour votre assiduité. Et est-ce qu'il y a du public dans la salle? Ils sont partis? D'accord. Donc, ça veut dire que... la soirée se termine là pour nous ensemble. Merci à tous. Au revoir.